Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle session live qui aujourd'hui sera destinée à la macrophotographie puisque nous sommes en pleine semaine des insectes. Donc on a eu envie de parler macrophotographie à travers nos différents produits et optiques, donc boîtiers et optiques. Et pour ce faire, on vous a réservé une petite surprise aujourd'hui, ce n'était pas prévu. Et donc du coup, on va avoir un guest, comme on dit, un invité exceptionnel. Je suis très content de l'accueillir. Mais avant ça, donc on va travailler, donc, comme d'habitude, hein, sur une présentation qui va être un peu différente peut-être de d'habitude, puisqu'on va beaucoup parler photo, beaucoup prise de vue, puisque cette thématique-là nécessite vraiment des connaissances particulières. Et puis, bien sûr, on va, écoutez, on va continuer, comme d'habitude, à échanger avec vous sur les différentes thématiques. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Vous pouvez, bien sûr, comme vous voyez déjà à l'écran, vous pouvez poser vos questions par écrit. Donc, je vois que j'ai déjà une question de Cérix. Donc, bonjour à lui. Écoutez, malheureusement, c'est pas la session sur le live composite, mais je vais juste faire une parenthèse en introduction pour répondre à votre question. Je pense que c'est juste un problème de réglage entre la vitesse et l'ouverture, parce que le live composite, à partir du moment où vous êtes sur le mode live composite, vous devriez avoir votre image qui apparaît à l'écran, qui vous montre la bonne exposition. Donc, je pense que c'est juste une problématique de réglage. Donc, pas facile de se connecter. Bonjour Jacqueline, Confucius, donc, vous avez plein de pseudos. Donc, on va lancer la conférence. Je vois qu'on est déjà une trentaine de personnes. Donc, si vous voulez juste me faire un petit coucou, voir si les gens m'entendent bien, juste un petit bonjour via le chat et les commentaires, de façon à ce que je puisse voir que tout fonctionne correctement. Ça a l'air d'être le cas. Super. Donc, bonjour à Arnaud également. Bienvenue à vous. Donc, on va pas mettre trop de suspense, puisque vous connaissez mon affection pour mes ambassadeurs. Donc, écoutez, je vais le faire apparaître à l'écran avec moi tout de suite et vous allez découvrir Eric. Salut Eric, heureux de t'accueillir. Salut Thierry, bonsoir à tous. Ça te fait quoi d'être arrivé comme ça, un peu en guest star surprise? Ouais. Ça surprend, ouais, c'est rigolo. C'est moi qui te remercie de t'être rendu disponible pour cette conférence, puisque parmi nos ambassadeurs, tu es certainement celui qui connaît le mieux cet univers. Et je te remercie d'être présent avec nous. Donc, en introduction, Eric, si ça ne te dérange pas, j'aimerais bien que tu te présentes, parce que bon, moi, je te connais bien. Il y a des gens qui te connaissent, mais d'autres qui ne te connaissent pas forcément encore. Donc, j'aimerais bien que tu te présentes qui tu es et, en tant que photographe, en tant que personne. Voilà. Ouais, donc, je te laisse la parole. Ouais, donc, je suis photographe pro. La spécialité, entre guillemets, ça serait la macrophotographie. C'est même ce qui m'a fait venir, en fait, à la photo. Donc, ça fait partie des sujets que je pratique, on va dire, assidûment. Et voilà, donc, j'ai une attention particulière pour tout ce qui touche à la nature, parce que avant d'être photographe, j'étais éducateur sportif et je utilisais beaucoup les supports sportifs pour faire de la découverte de l'environnement. Voilà, donc en gros, mon cheminement est un peu ce que je fais. Et voilà, j'ai toujours eu cet intérêt à la nature. Je pense que ça remonte à mon enfance, puisque j'ai eu la chance de grandir dans un espace entouré de pinèdes, de collines, d'étangs, etc. Et donc, les jeux que nous pratiquions, c'était les captures de mantes religieuses, les observations comme ça. Et je pense que ça l'attrait que j'ai pour... la nature, et en particulier pour la macrophotographie, ça remonte à cette période-là. Alors moi, j'ai une question qui revient souvent, et il y a différentes façons d'arriver à la photo, et je voudrais savoir quel était ton cheminement à toi, Eric, puisque la photographie, si on y vient par la passion de la photo, et j'ai envie de dire que toutes les thématiques nous intéressent, ou justement, toi, est-ce que c'est la nature qui t'a déjà incité à venir à la photographie pour pouvoir montrer aux gens ce que toi, tu découvres, ce que tu as envie de montrer aux gens qui ne connaissent pas forcément cet univers-là? Ouais, alors, mon cheminement, il est un peu particulier. Hein. Comme beaucoup, je fais de la photo tout le temps, mais un peu de manière dilettante, on va dire. Comme ça, j'ai quasiment toujours eu un appareil photo
Même à l'époque, je crois que un de mes premiers appareils photo, c'était un Polaroid, en photo instantanée, là, mais donc je faisais de la photo comme ça. Et quand je suis en, mon ancien métier, donc c'était éducateur sportif, et en fait, à un moment donné, j'ai eu des problèmes de santé, donc il a fallu que j'arrête mon activité professionnelle, et je me suis dit que le seul truc qui pouvait un peu me tenir, ça serait de faire de la photo et de m'y plonger un peu plus profondément. Et forcément, j'avais cet attrait, voilà, pour tout ce qui était macro-photographie. Et donc, quand je me suis dit, je vais m'y mettre sérieusement, j'ai choisi ce sujet-là. Parce que c'était un sujet qui me semblait assez évident pour moi, parce que c'était dans la continuité de montrer cette macrofaune, en fait, de la montrer un peu différemment de ce que je faisais, de pouvoir plus l'observer. Voilà. C'était un peu ça. Après, là, maintenant, la démarche, elle a évolué au niveau photographique, dans le sens où, au départ, c'était vraiment pour me faire plaisir et pour me tenir, mais là, maintenant, j'ai plus envie de montrer ça par rapport à la sensibilisation et la protection des espèces. Hein. Alors, il n'y a pas longtemps, on parlait de la diminution des espèces d'oiseaux avec un gros pourcentage. Je crois qu'il y a 25% des espèces d'oiseaux qui ont disparu. Et globalement, c'est lié aussi au fait qu'il y a une grosse disparition des insectes, puisque sur les 30 dernières années, là, on considère qu'on a perdu 80% de la biomasse à l'échelon mondial de la macrofaune. Donc, il n'y a jamais eu, depuis que le monde est monde, il n'y a jamais eu une catégorie d'animaux comme ça qui a subi une aussi importante baisse en aussi peu de temps. Voilà, donc, ça veut dire qu'il y a déjà, aujourd'hui, on sait qu'il y a déjà des phénomènes qui sont liés à la nature ou à l'homme qui ont fait disparaître complètement des insectes qui n'existent plus aujourd'hui. Ouais, c'est probable. Et puis surtout, moi, tu vois, mon petit niveau, c'est que quand il y a des lieux que je fréquente assez fréquemment, c'est déjà depuis quelques années, je me suis fait la réflexion qu'il y avait une diminution des espèces présentes sur des sites que je connaissais. Donc, j'ai des espèces que je vois moins souvent, moins fréquemment. Et en plus, les espèces qui sont présentes, la quantité de des individus a fortement diminué. Donc, à mon petit niveau, déjà, c'est ça. Mais là, il y a quelques mois, hein, il y a eu ces résultats d'études. Donc, forcément, ouais, ça veut dire qu'il y a des endroits où il y a des espèces qui se sont éteintes complètement. Ouais. Ouais. Bon, on va développer ça au fur et à mesure de la présentation, Eric, avec tes connaissances, en nous montrant tes images, en montrant aussi dans la présentation des images de d'autres ambassadeurs. Et vous allez voir qu'effectivement, nous, on a souvent tendance à communiquer sur le monde invisible. Mais c'est vrai que moi, je découvre des fois, à travers tes images, des animaux que je connais, enfin, des insectes, en l'occurrence, que je connais absolument pas. Et donc, je trouve ça toujours intéressant de découvrir des choses qu'on ne connaît pas forcément suivant les régions où on habite. Donc, je vais basculer, Eric, via la présentation, tout simplement. Donc, maintenant que tu es là, je peux marquer ton nom. Hein. Donc, c'est plus une surprise. Donc, encore une fois, je me permets de te remercier. Donc, bonjour à Georges, Stéphane qui vient de nous rejoindre, Michel également. Vous inquiétez pas, je vois vos questions, hein, donc je les vois bien. Au fur et à mesure de la présentation, je pense qu'on va pouvoir vous apporter des réponses, puisque les questions que je viens de voir passer, entre autres sur la stabilisation des 90 et la macro-photographie avec flash, diffuseur, ou j'ai même ajouté moi de la lumière continue. Donc, on va en parler au fur et à mesure de cette présentation, ne vous inquiétez pas. Donc, en fait, la présentation va se dérouler en plusieurs étapes. Donc, la première étape, c'est là où les connaissances d'Eric vont être super importantes. Au-delà de ses connaissances en photographie, il a également une connaissance des animaux. Donc, en fonction du sujet, on doit aussi s'adapter, puisqu'on ne fait pas la même chose, on ne peut pas s'approcher de la même manière suivant les sujets à photographier. Après, on parlera du choix des objectifs. Alors qu'on soit clair, on est ici sur une thématique macro-photographie, on n'est pas sur de la proxy-photo. Donc, la macro-photographie nécessite des optiques macro. Donc, on parlera principalement des trois optiques de chez nous. On parlera également à travers cette présentation des différents réglages qu'on peut trouver sur nos boîtiers, principalement les réglages qui sont liés au focus bracketing ou au focus stacking, qui sont les deux éléments les plus importants en termes de prise de vue macro-photographie.
Et bien sûr, après, alors ce sera très subjectif, hein. Moi, je vous donnerai un avis sur la composition et le cadrage des images. Moi, je le vois à travers mes ambassadeurs, hein. Il n'y en a pas forcément un qui travaille de la même façon. Donc, c'est toujours intéressant de comparer et de voir ce que l'on peut faire en termes de prise de vue macro aujourd'hui. Donc, on va commencer tout de suite avec le choix du sujet, Eric, puisque le choix du sujet, il est aussi lié à la distance minimum de mise au point. Donc, avant que tu parles des animaux en eux-mêmes, je voulais préciser, puisqu'il y a souvent une confusion lorsqu'on parle de distance minimum de mise au point, on parle souvent, les gens pensent souvent que c'est lié à la lentille frontale de l'objectif. En fait, ce n'est pas la lentille frontale de l'objectif, vous partez du capteur du boîtier. La distance minimum de mise au point se calcule toujours de cette manière-là. Lorsque vous avez une distance de mise au point minimum qui est indiquée sur l'objectif, vous ne partez pas de votre lentille frontale, vous partez du capteur. Donc, approximativement au milieu de l'appareil, comme on le voit sur l'image ici, ou sinon vous avez un repère, vous avez un cercle avec un trait au milieu qui se trouve sur le dessus de votre appareil, et ça vous indique l'endroit où se trouve votre capteur. Donc ça, c'est une première précision déjà qui est importante, puisqu'en fonction de la taille de l'insecte, bah, la distance des mises au point, vous pourrez plus ou moins vous approcher, d'où l'intérêt chez nous d'avoir différentes optiques qui vous permettent de photographier à des distances différentes par rapport à la taille de l'insecte que vous avez envie de photographier. Ensuite, il y a beaucoup de confusion sur le rapport de grossissement et le facteur de grossissement. Donc, ce sont deux éléments qui peuvent être associés, qui peuvent être identiques en fonction de ce qui est indiqué sur l'appareil. Donc, je vous ai mis ici deux exemples avec le 30 mm et le 60 mm. Il y en a un qui est indiqué en facteur de grossissement, en 1,25, et il y en a un qui est indiqué en rapport 1 sur 1. Il suffit juste de faire la conversion et vous allez retrouver vos équivalences à chaque fois. Donc, bonsoir à Sylvain également et bonsoir à Philippe. Eric, je veux bien que tu prennes la parole à ton niveau pour expliquer l'intérêt pour toi de travailler avec des rapports. On va parler de rapports de grossissement parce que, en général, quand on parle de multiples, les gens ont plus facilement, comprennent en général plus facilement à quoi ça correspond. Les rapports de grossissement sont toujours un peu plus compliqués à comprendre. Est-ce que tu peux, avec tes mots, nous dire l'avantage, puisque c'est le minimum syndical sur une optique macro, de travailler avec une optique avec un rapport 1 sur 1 ? Oui, alors en fait, ça veut dire que quand on va avoir 1 mm du sujet, il sera représenté par 1 mm sur le capteur. Donc là, on est au rapport 1-1, c'est-à-dire qu'on a une échelle de 1 pour 1. Donc 1 mm ou 1 cm, si vous voulez, c'est représenté de la même manière sur le capteur. Donc ça, l'intérêt, c'est que ça nous permet, dans notre démarche photographique, de savoir si on va, en étant à la distance la plus courte et donc au grossissement le plus important, ça va marquer l'intention que l'on a, à savoir si on veut montrer, par exemple, beaucoup de détails du sujet ou si on va travailler un peu plus loin et donc avec un rapport de grossissement qui sera en deçà et donc plus recontextualiser le sujet dans son environnement. Donc voilà, c'est un peu en fonction de la démarche que l'on aura, de l'intention photographique que l'on aura. Donc le fait de savoir qu'il y a ce rapport de grossissement de 1 pour 1, alors la macro, ça démarre à partir du rapport de grossissement de 1 pour 1, c'est-à-dire voilà, en dessous de ce rapport de grossissement, on considère qu'on est plus dans la proxy photographie. Donc, on verra que suivant la gamme optique, et chez nous, hein, les optiques qu'on va vous présenter aujourd'hui sont tous à minima à rapport 1 sur 1. Et après, bah, on voit que même on verra tout à l'heure que même le 30 mm peut même avoir un rapport supérieur. Donc, ouais. Ce sont des choses qu'il faut intégrer au moment du choix de son optique. Et on va en parler, bien sûr, ensemble. Donc, Eric, avant que j'attaque sur le choix des optiques chez nous, comment le choisir, est-ce que toi, déjà, en fonction des insectes que tu photographies, est-ce qu'il y a des insectes où tu te dis, bah là, il vaut mieux avoir tel genre d'objectif ou tel genre d'objectif, ou carrément enlever, peut-être dans la tête des gens, que photographier une libellule, c'est rarement en macro, par exemple, et expliquer pourquoi
ce genre de photographie, finalement, ce n'est pas de la macro-photographie. Alors, en fait, si on en vient à la dernière optique sortie, c'est vrai que le 90, il a vraiment une très grande polyvalence, déjà à la base. Donc, c'est vrai que moi, c'est souvent un objectif que c'est l'objectif là que j'utilise le plus en ce moment. En fait, c'est pas tant par le sujet qu'on détermine finalement l'optique, mais je pense que c'est plus par rapport à l'intention photographique que l'on a. C'est vrai que si on veut capturer une libellule ou en vol, on va plutôt travailler en proxy photographie parce qu'on aura besoin de plus de distance, etc. Donc, on va privilégier peut-être d'autres optiques pour cela. Par contre, si on veut travailler sur des sujets plus statiques, à ce moment-là, l'importance de l'optique dans le choix va être ultra importante. Si on veut faire un grossissement maximum, et c'est vrai que le 30 mm, il est vachement bien pour ça parce qu'il a ce grossissement de 1,25, donc qui correspond à un grossissement de 2,5 déjà, avec forcément des paramètres liés à la prise de vue qui sont que les sujets sont plus ou moins craintifs et plus ou moins actifs en fonction des moments de la journée. Donc, le moment de la journée que l'on va choisir pour aller faire ses photos va aussi influencer le choix du matériel. Si on veut faire, par exemple, un grossissement très important, ça veut dire qu'il va falloir s'approcher au maximum de son sujet. Si on fait ça à 15 heures, ça va être quand même relativement compliqué, notamment avec certaines espèces. Donc, on va organiser son temps en fonction de ce que l'on veut faire. Et en fait, c'est une espèce de multiplicité de paramètres et d'intentions qui vont s'intercroiser, qui vont faire qu'on va choisir le matériel adéquat. Alors, est-ce que tu peux nous orienter déjà sur peut-être ce qui est en termes de prise de vue photo pour des néophytes, en ayant des belles images, quel est l'insecte qui pourrait être le plus simple à photographier et à l'inverse, quel est à ton avis l'insecte le plus compliqué à photographier? Alors, les insectes, on va dire les plus faciles dans la mesure où on va peut-être les trouver plus facilement. Parce chaque insecte a un rôle. Donc, on a des prédateurs, on a des butineurs, on a des nécrophages, on a des xylophages, etc. Donc, chaque insecte, il est lié un peu à un environnement qui lui est propre. Donc, déjà, pour trouver le sujet, il va falloir un peu chercher en fonction de son milieu. Ensuite, certaines espèces ont des plantes hôtes. Donc, des fois, j'entends parler, et ça m'agace un peu, c'est de mauvaises herbes. En macrophotographie, les mauvaises herbes n'existent pas. Il y a des plantes hôtes. Donc, ou pas, voilà. Mais la mauvaise herbe, elle est pour le jardinier qui cultive ses tomates, qui n'a pas envie d'avoir d'autres herbes au milieu de ses plantes tomates. Mais pour le macrophotographiste, il y a que des bonnes plantes. Et en fait, si on prend par exemple le papillon, le mélité du plantain, ça veut dire que sa chenille, elle va essentiellement se développer sur le plantain. C'est une plante assez fréquente, en tout cas dans la région dans laquelle je suis, donc dans le sud-est, en région PACA. Donc voilà, ça, c'est des éléments qui nous permettent en fonction aussi de se dire, tiens, si je veux trouver telle espèce, il va falloir peut-être que je trouve telle plante, ça va optimiser la manière ma recherche en fait du sujet. Si on prend il n'y a pas longtemps, c'est l'agapanthe du chardon. Si vous voulez faire l'agapanthe, c'est un coléoptère, l'agapanthe du chardon, avec des super grandes antennes, très arrondies, très esthétiques. Cherchez des chardons et vous allez trouver des agapanthes du chardon sur le chardon. Vous ne les trouverez pas que là, mais si vous trouvez des chardons, vous allez forcément et probablement en trouver là. Donc, du coup, c'est déjà un peu connaître ça. Après, il faut savoir que les sujets, ça fonctionne avec la température de l'air. C'est des animaux à sang froid. Donc, si on veut photographier des sujets, par exemple les libellules, faire du focus taking, faire des gros plans dessus, y aller le matin quand la température est relativement basse, c'est-à-dire en gros, c'est inférieur à 15 degrés. Si on est au-delà, à partir de 15 degrés, il commence à être assez actif. Donc, si je calme mes sorties sur des températures qui sont plutôt basses, je sais que je vais les trouver plutôt statiques et ça va me permettre de montrer ces gros plans, de faire les gros focus taking avec des grossissements assez impressionnants, etc. Et au fur et à mesure...
pardon. Pour couper, excuse-moi, je te coupe la parole, Eric, mais pour couper toute ambiguïté, on est d'accord que tout ce que tu photographies, c'est un peu ce que je demande à tous mes ambassadeurs, mais tout est fait naturellement. Il n'y a de. Voilà, je sais que des fois, on entend des choses sur les photographies, dans la macro-photographie. Alors, je ne veux pas t'énerver, je sais que c'est un sujet qui t'énerve, mais il y a beaucoup de gens qui prennent des fois la parole, alors que ce ne sont pas forcément des photographes macro, et qui laissent penser que tous les animaux qui sont photographiés sont soit morts, soit qui sont gelés par une bombe, soit. Voilà, j'aurais juste que tu confirmes, bien sûr, que ce n'est absolument pas ton cas. Ouais, tout à fait. Ouais, voilà, je ne sors pas les insectes du frigidaire, etc. Par contre, je connais à peu près, voilà, je sais ce principe, il est basique, hein, de savoir que c'est des animaux à sang froid et que ça va fonctionner avec la température de l'air. Donc, entre 15 et 30 degrés, les insectes, c'est là où ils vont être le plus actifs. Donc, plus ça va monter jusqu'à 30 degrés, plus ils vont être actifs. Et au-delà de 30 degrés, ils commencent un peu à surchauffer. Donc, du coup, ils vont chercher plutôt des zones à l'ombre pour se protéger de la chaleur, etc. Et donc, ça fait partie aussi des éléments qu'il faut avoir en tête. On a cette fourchette de température et donc, automatiquement, on va aménager ses sorties en fonction de ce que l'on veut faire et choisir le matériel qui correspondra le plus possible à ce que l'on veut faire. OK. Merci Eric pour cette introduction. De toute façon, on continuera au fur et à mesure des images. Hein. Oui. Je pense que tu auras des choses aussi à expliquer à travers tes images. Donc, voilà les trois objectifs macro, je précise bien, parce que je vais faire apparaître une question à l'écran, mais typiquement, vous voyez Philippe, quand on parle de rapport de grossissement avec un 40-50 en 2-8, là, on ne parle pas de macro. Là, vous allez juste multiplier avec, mais vous n'êtes pas sur des rapports de macro-photographie puisque le 40-150 ne fait pas un rapport 1:1. Donc, vous ne pourrez faire ce que disait tout à l'heure Eric, vous serez sur de la proxy photo, mais vous ne serez pas sur de la macro-photographie. Donc, on ne peut pas calculer avec, vous allez juste doubler votre valeur focale avec un doubleur, mais vous n'allez pas faire de la proxy photo, pardon, vous n'allez pas faire de la macro-photographie parce que vous mettez un doubleur sur votre appareil. Donc là, ce sont les trois objectifs qu'on propose, nous, dans notre gamme. Vous avez donc le 30 mm macro. Je vous ai mis en dessous parce que, justement, il y a Laurent qui posait une question concernant le coefficient. Hein. Voilà, on parle de 4 tiers sans coefficient. Et je vous ai marqué en dessous la présentation des objectifs. Vous voyez, je vous ai mis les équivalents. Alors, il y en a qui parlent de full frame, donc qui parlent de 35 mm. Moi, je suis plus dans la catégorie des gens qui parlent de 35 mm, mais c'est la même chose. Donc, le 30 mm, c'est un 60 macro, le 60 est un 120 macro, et le 90 est un 180 mm macro. J'insiste, et c'est un sujet qui a souvent tendance à... Bon, je n'ai pas dit à mérisser les cheveux parce que j'en ai plus, mais en tout cas, je précise qu'une ouverture reste une ouverture pour la lumière, et que ça, quoi qu'on en dise, ça restera toujours l'ouverture de l'objectif. La seule chose qui peut changer, c'est la profondeur de champ par rapport au 35 mm. Mais en aucun cas, et j'insiste sur le sujet, en aucun cas, ça ne changera l'ouverture de l'objectif. Parce que je vois des choses des fois circuler, des articles, et voilà, faites-moi confiance. Après, chacun interprète ce qu'il veut interpréter. Mais la réalité, c'est que l'ouverture est bien 3,5, 2,8, 3,5, comme c'est indiqué ici, quel que soit le facteur de conversion lié à la conversion 35 mm ou micro 4 tiers, le seul facteur de multiplication que vous avez, c'est la valeur focale. Voilà. Et après, ce qui peut changer, c'est la profondeur de champ. Voilà, c'était le petit truc qui des fois me chagrine. Ouais. Ensuite, nous allons donc présenter le 30 mm macro. Donc, le 30 mm macro, voilà, c'est l'optique que je trouve idéale pour commencer éventuellement la macro-photographie sans aller dans des tarifs qui peuvent être des fois un peu perturbants. Et on se dit, non, je ne vais pas commencer ou découvrir un univers parce que ça a un coût et je n'ai pas envie de mettre cette somme-là parce que finalement, si ça ne me plaît pas, j'aurais investi pour rien. Donc, le 30 mm est vraiment le produit idéal. Je vous ai mis ici, à chaque fois, vous verrez dans la présentation, les quatre points forts, à mon avis, que propose cette optique. Donc, on est sur un poids, mais c'est un poids plume, voilà, il n'y a pas d'autre mot.
L'encombrement, c'est une optique qui est toute petite, hein, je l'ai juste derrière moi. Hop. Je vais la montrer quand même. Voilà, vous l'avez ici. Donc, on est vraiment sur quelque chose de super compact et léger. Donc, c'est une optique qui est vraiment remarquable. Ne vous laissez pas, comment dirais-je, influencer par sa finition ou la taille de la lentille frontale. Je pourrais le comparer au 45 mm à 1.8 de chez nous. Beaucoup de personnes se disaient, mais est-ce que ça marche vraiment bien? Et je pense que personne ne revend son 45 mm à 1.8 en termes de rapport qualité-prix. Et bien là, on est pareil. On est vraiment sur un rapport qualité-prix incroyable. Et c'est quelque chose que je peux que vous conseiller pour faire un beau premier pas en macro si vous avez envie de découvrir ce produit. Et vous voyez, donc, il a un rapport de grossissement 1.25. Donc, ça veut dire qu'il est même légèrement supérieur à ce que propose le 60 mm. D'accord? Donc, c'est une optique que moi, je ne peux que vous conseiller. Pour compléter ce que je viens de vous dire, on va travailler également sur les images d'Eric, puisque Eric a un compte Flickr. Donc, je vais montrer les images d'Eric. Donc, Eric, je te laisse prendre la parole peut-être sur ces images. Ouais. Donc là, c'est des images, bien sûr, hein, je précise, faites avec le 30 mm. Voilà, donc si vous achetez un 30 mm, vous avez ce résultat-là. Oui. Donc là, ça, c'est un... Donc, alors, la petite précision, le 30 mm, moi, c'est la première optique macro que j'ai achetée parce que quand j'ai changé de marque, je voulais une optique macro et le renouvellement de la gamme de matériel, ça représentait un budget. Et donc, j'avais fait le choix de commencer par le 30 mm. Alors, il a cet intérêt. Alors déjà, en plus, le 30 mm, ce qu'il faut savoir, c'est que les optiques macro, elles peuvent être utilisées dans d'autres domaines que la macro. Elles ne sont pas inféodées forcément à la macro. Donc, quand tu as un 30 mm, c'est aussi une optique assez polyvalente hein, qui équivaut donc à un 60 mm, ce qui fait quelque chose qu'on est légèrement proche de la vue humaine. Donc, ça peut faire une optique aussi intéressante dans beaucoup d'autres sujets. Mais là, l'intérêt qu'il a, c'est, moi je trouve, ce rapport qualité-prix notamment et ce grossissement un peu supérieur au 60 qui permet vraiment d'aller chercher du détail quand on veut faire du focus taking, etc. Donc moi, c'est cette optique, bon, forcément aujourd'hui je l'utilise un peu moins. Mais je l'ai toujours parce que des fois, je prends ça juste pour l'encombrement, pour me dire, ben voilà, j'ai une petite optique macro sur moi et je la transporte facilement. Donc ça, c'est un fadé commun, là, le papillon. Et il est fait, alors je ne suis pas au rapport de grossissement maximum, mais en attendant, c'est fait en focus taking. Donc ça, c'est aussi un des avantages, c'est qu'on en parlera tout à l'heure, mais par rapport à cette prise de vue, elle a été faite comme ça en utilisant la fonction de notre boîtier, le focus taking. Et donc c'est là, c'est un papillon sur lequel je me suis relativement approché. C'était, je me rappelle plus à quelle heure c'était exactement, mais ils étaient relativement actifs. Donc l'approche, elle a été assez délicate. Et je voulais l'avoir justement, je voulais avoir le papillon avec du détail et en même temps conserver son environnement. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai gardé cet angle un petit peu assez large et que j'ai pas cherché à m'approcher le plus possible parce que de toute façon, je l'aurais fait partir. Et je trouvais intéressant d'avoir autant de détails avec cet angle un peu large, donc un mélange un peu de focus taking et de photos contextuelles que j'aime bien. Et ça c'est. Est-ce que tu as déjà constaté, j'ai mis, je ne sais pas si tu les vois, Eric, les questions à l'écran en même temps que moi. Il y a une question là d'Olivier. Bonsoir Olivier. Comment éviter les phénomènes de liseré en bord de sujet en stacking? Alors moi, personnellement, je n'en ai pas constaté. Donc, je ne sais pas si toi, tu en as constaté à ton niveau, Eric. Moi, j'en ai constaté quand je fais du focus bracketing et que je l'assemble dans un logiciel extérieur. Il y a des petites zones, des petits liserés. Du coup, je prends le tampon et je les efface comme ça. Mais en stacking, tu n'as jamais rencontré le phénomène? Ouais, ça m'est arrivé. Ouais, ça arrive assez fréquemment d'avoir un petit liseré un peu qui contourne le sujet. Mais encore une fois, c'est uniquement
fait, enfin moi en tout cas je l'ai constaté seulement en faisant du focus bracketing et donc en faisant l'assemblage dans un logiciel externe, puisque le focus bracketing ça permet d'aller au-delà des 15 images. Donc c'est uniquement dans cette situation-là. Après, sur le focus stacking du boîtier, honnêtement, je n'ai jamais remarqué ça. Alors, je vais juste compléter parce que je me suis peut-être mal exprimé, donc je vais le redire. Donc je pensais avoir été précis. Donc LP81, le rendu est différent, forcément, puisque tout à l'heure j'ai parlé de profondeur de champ. Donc le rendu, effectivement, de la profondeur de champ à 1,8 sur du micro 4 tiers va être différent du rendu du 35 mm. Donc je n'ai pas dit l'inverse. Je parlais juste de l'ouverture. Par contre, le rendu et la sensation liée à ce qu'on appelle vulgairement le bokeh, forcément, va être différente entre un full frame 35 mm ou micro 4 tiers. Donc voilà, non, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de problème. Ouais, alors moi je trouve que c'est un avantage quand on fait de la macro, parce qu'on sait que avec les grossissements qui sont plus importants, du coup on a des zones de netteté qui sont très réduites. Et le fait d'avoir cette différence par rapport à un 24-36, ben ça donne plus de. Ça donne une zone de netteté qui est plus étendue en travaillant avec un capteur en 4 tiers. Donc du coup, pour moi, c'est un avantage en macrophotographie. J'en parle après, Eric. De toute façon, ouais. T'inquiète pas, c'est quelque chose que j'ai prévu dans la présentation lorsque je parlerai des avantages de nos boîtiers. Ouais, voilà. Donc voilà, moi c'était la parenthèse par rapport au gars là. Enfin, excusez-moi, par rapport à LP80, je crois. Mais voilà, donc. Je te montre une autre de tes photos, toujours au 30 mm, Eric. Ouais, voilà, ben, toujours au 30 mm. C'est un fadé commun, c'est le même papillon, hein, enfin c'est la même espèce. Et ce que j'aime bien dans cette photo, c'est que ben, malgré le fait que ce soit un 30 mm qui ouvre à 3,5, on a derrière un bokeh qui est vachement doux, je trouve. Et en même temps, on a vraiment la netteté sur le sujet. Donc, moi, je trouve ça super intéressant parce que voilà, d'avoir la netteté sur le sujet, c'est quand même primordial. Et derrière, on arrive à avoir un bokeh qui est très doux, malgré cette ouverture de 3,5 que parfois certains considèrent comme une espèce de malédiction, comme si toutes les optiques macro devaient ouvrir à 2,8. Mais honnêtement, pour en revenir à la question précédente, quand tu travailles en 2,8 avec du 24-36, tu as une impression des fois de manque de netteté sur ton sujet et tu es obligé de fermer le diaph, quoi. Et là, sur cette photo, là, au niveau de. Je suis à 6,3 quand même en termes d'ouverture sur cette photo. Voilà, donc ce que j'apprécie, c'est cette douceur de bokeh. Voilà. On va revenir à la présentation. Alors, je vais rassurer, il y a Val N. Bonjour Val. On va répondre à cette question sur la prise de vue, puisqu'il y aura aussi une partie éclairage avec le ST8 et le 60 macro. Donc, on va y venir également. Il n'y a pas de problème. Concernant également la question sur le rapport 1 sur 1 du 60 macro, Eric, on entend souvent parler tous les deux. Alors, il y a différentes techniques. Là, il y a PBN2N, pardon, qui donne un conseil de travailler plutôt en manuel pour avoir ce mode-là. Je sais que toi, tu as une méthode, moi, j'en ai une autre. Donc, ouais. On va en parler puisqu'on parle maintenant du 60 macro. Donc, le 60 macro, c'est la référence des optiques macro chez nous maintenant depuis plus de 10 ans, puisque c'est la première qui est sortie, hein, tout simplement. L'avantage, c'est qu'elle a une ouverture à 2,8. Donc, c'est quelque chose qu'on peut avoir besoin dans des conditions de prise de vue peu lumineuses. Donc là, c'est quelque chose qui peut aussi être utile. Et je reviens à l'avantage qu'Eric donnait sur notre taille de capteur, puisque bah, on peut travailler aussi à pleine ouverture et avoir de la netteté, même en macro, ce qui est beaucoup plus compliqué à faire avec du 35 mm ou du full frame. Le rapport 1 sur 1, voilà, c'est le minimum syndical, on en parlait tout à l'heure. C'est une vraie optique macro et elle est tropicalisée, contrairement au 30 mm. Donc, c'est quelque chose aussi qu'il faut intégrer au moment du choix. Parce que Eric, vous en parlez tout à l'heure que l'animal, l'insecte, entre 15 et 30 degrés, il est hyper mobile. Donc, en général, les photographes macro sont des gens très courageux parce qu'ils partent très tôt le matin faire des images. Ils vont pas à midi, hein. Ils partent en général vers 5 heures du matin, 6 heures du matin, dans des conditions des fois où il y a encore la rosée, où il y a encore de l'humidité ambiante, et ils sont souvent allongés dans l'herbe
pour faire ce genre d'image. Donc, dans ces cas-là, il vaut mieux avoir également du matériel qui soit robuste contre les intempéries. Donc, la tropicalisation peut aussi faire partie du choix. Et c'est souvent ce qui fait basculer les gens, c'est le débit d'ouverture et la tropicalisation entre le 30 mm et le 60 mm. Donc, on parle du sujet délicat, Eric, puisqu'on nous en parle souvent, aussi bien à toi qu'à moi, pour l'activation du rapport 1 sur 1. Alors, je vais donner ma méthode, que j'ai déjà donnée à plusieurs reprises, mais qui n'est pas toujours évidente. Tu donneras la tienne. Et puis là, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui en a donné une troisième. Donc, moi, ce que je fais, en fait, c'est que je prends le 60 mm, je pousse et je maintiens le rapport 1 sur 1, je m'avance jusqu'à ce que ma netteté soit visible. Et dès que je suis net, là, je peux relâcher le rapport 1 sur 1, j'appuie à mi-course sans bouger, ni avancer, ni reculer, je reste à la même distance, j'appuie à mi-course sur mon déclencheur, et là, la mise au point est prise en compte avec le rapport 1 sur 1. Donc ça, c'est ma méthode de travail. Eric, je te laisse expliquer la tienne maintenant. Ouais, alors moi, je travaille en back-button focus, donc j'ai dissocié la mise au point du déclencheur. Donc, j'actionne le petit bouton pour le mettre au rapport de grossissement maximum. Je m'approche et quand je suis au rapport de grossissement maximum, ben, je déclenche tout simplement. Et le fait d'avoir dissocié la mise au point du déclencheur, ben, ça évite justement de relancer l'autofocus. Et du coup, c'est beaucoup plus simple. Après, je rajoute en fait, petite parenthèse sur le back button focus, ça permet justement de travailler aussi avec la retouche du point manuel, de passer très très vite d'un mode de mise au point automatique à un mode de mise au point manuel, sans avoir de manip à faire dans le boîtier. Et pour en revenir à tout à l'heure, il y a quelqu'un qui je crois, t'a évoqué le fait de la mise au point. Moi, enfin, un des trucs que j'apprécie vraiment avec le matériel qu'on utilise, et c'est notamment avec le 60, parce que je l'ai quand même beaucoup utilisé, et je continue de temps en temps à l'utiliser, mais c'est que souvent, je travaille en mise au point automatique complètement, quoi. Et ça marche super bien. Et voilà, donc... Alors, Pom-Pom, elle a plusieurs pseudos, donc, mais je sais qui se cache aujourd'hui derrière Pom-Pom, puisqu'elle s'est présentée tout à l'heure. En fait, c'est vrai que c'est vraiment un coup à prendre. Je sais qu'au début, quand on cherche, on se dit, mince, j'y arrive pas. Et c'est souvent le cas en photo animalière ou en photo macro. Je précise souvent prendre le temps. Voilà, il faut pas être dans le speed, il faut pas chercher à aller vite. Il faut vraiment se poser et comprendre les choses et ne pas essayer d'aller trop vite pour activer une fonction. Surtout au début, quand on a du mal à la maîtriser. Donc, prenez votre temps, essayez les différentes méthodes qu'on vient de vous présenter, soit celle d'Eric, soit celle de la personne qui a eu la gentillesse tout à l'heure de vous répondre par message, ou alors essayez la mienne. Mais bon, la mienne, elle ne doit pas être bonne, puisque ça fait plusieurs fois qu'on en parle ensemble. Mais voilà, vous avez mon mail, vous savez comment me joindre. Et à la limite, un jour, on fera une conférence que tous les deux, et on essaiera de voir pourquoi vous n'y arrivez pas. Voilà, Pom-Pom. Hop, je vais juste me permettre de enlever le message. Hop. Et concernant également une question sur le 60, alors on va un peu devancer, Eric, si ça ne t'embête pas. Je voulais juste qu'on parle aussi, parce que quelqu'un qui débute, alors, avec le 60 macro et le flash annulaire. Donc là, on est sur deux techniques de prise de vue, on en parlera un peu plus tard, mais il faut bien dissocier l'usage de l'objectif et quelque part la lumière additionnelle que vous allez avoir envie d'utiliser. Donc, ce sont deux techniques photo différentes. Donc, on parlera tout à l'heure du STF-8, mais déjà, la première chose, c'est d'intégrer les éléments d'éclairage qui vont venir autour, puisque là, on parle d'un flash twin, hein, c'est pas un flash annulaire. Donc, il faut bien intégrer le positionnement de votre objectif, la distance minimum de mise au point dont on parlait tout à l'heure, et après, on rentrera dans les réglages du flash qui peuvent être dissociés flash droite ou flash gauche, et on en parlera un peu plus tard tout à l'heure. Donc, en termes de technique de prise de vue, je ne sais pas si tu as des recommandations autres que ce que je viens de dire, Eric, ouais. Mais alors, il faut bien dissocier les deux, quoi. Moi, je pense que si ce que je vois, c'est le fait que la personne est novice en macro. Donc, j'aurais tendance à dire simplifiez-vous la vie pour l'instant et ne travaillez sans flash.
Travailler sans flash parce que l'utilisation du flash, c'est une difficulté supplémentaire. C'est un super outil, hein. Moi, j'aime beaucoup travailler avec le flash aussi. Mais par contre, c'est une complication supplémentaire, notamment quand on est novice. Donc, je pense qu'au départ, il vaut mieux se consacrer uniquement à faire de la macro sans lumière additionnelle ou en tout cas sans flash. Et une fois qu'on a commencé un petit peu, qu'on se sent un petit peu plus à l'aise avec la technicité de la macro, ben à ce moment-là, on va pouvoir commencer à travailler avec du flash. Et notamment, pour comprendre le flash, et ben pas aller de suite sur du sujet vivant, mais peut-être travailler sur des sujets fixes pour essayer de trouver les bons réglages, de s'approprier un petit peu le fonctionnement de ce flash et de ce que ça peut apporter. Puis après, une fois qu'on a deux, trois idées en tête, et ben à ce moment-là, on va le mettre en pratique sur les sujets. Mais voilà, moi, ce serait le conseil que je vous donnerais pour l'instant. Faites de la macro, mais sans trop vous compliquer la vie. Oui, et puis au début, essayez de le faire même sur de l'objet et pas forcément sur de l'insecte. Entraînez-vous chez vous avec un objet. Vous prenez un objet et que même une fleur, chez vous, ça peut être très joli. Vous prenez des fleurs un peu mortes, là, des fois qu'on a dans des vases au bout d'un moment. On peut voir des images, là, ça bouge pas et vous avez tout le temps de pouvoir comprendre vos réglages. Donc, n'allez pas tout de suite vers du vivant, où là, vous allez tout de suite vouloir faire des choses et vous maîtrisez pas forcément encore les réglages. Donc, entraînez-vous déjà chez vous pour savoir comment vous voulez densifier la puissance de votre flash. Parce que là, on parle, ce genre de flash est fait pour déboucher les ombres. On n'est pas sur du flash comme en studio où vous allez exploser pour éclairer votre modèle. Ce genre de flash est vraiment fait pour apporter des choses et déboucher éventuellement des choses en lumière, mais pas fait pour exploser toujours naturellement, comme on pourrait l'imaginer avec un flash traditionnel. Voilà, j'espère que ça vous apporte un peu des réponses, Val. Et on en parlera un peu plus tard de ce flash, de toute manière, qui est aujourd'hui effectivement une référence. Eric, on va montrer tes images avec le 60 macro maintenant. Et si tu as d'ailleurs des images à un moment donné qui sont faites avec l'ajout de lumière de flash, ne te gêne pas pour le dire. On verra tout à l'heure, un petit peu plus tard, plus avec le 90 en fait. Donc ça, c'est une demoiselle, hein, ça fait donc partie de l'ordre des odonates. Donc c'est, vous voyez les petites gouttes, ben, c'est fait un lendemain de pluie, donc c'est tôt le matin. Et donc j'ai utilisé la fonction focus stacking. C'est le JPEG sorti du boîtier, très légèrement amélioré, mais voilà, c'est quasiment la photo sortie du boîtier telle qu'elle est. Et comme le disait tout à l'heure Thierry, la macro photographie, voilà, pour faire ce type d'image, il faut se lever tôt. Donc moi, je tiens compte de la météo. Et l'avantage qu'on a aussi avec le 60, c'est que quand il pleut, ben, je sors aussi. Et des fois, ça permet de faire des images similaires sans avoir à se lever tôt, ce qui est quand même pas mal. Parce que on n'est pas courageux tous les jours non plus à se lever très tôt. En tout cas, c'est mon cas. Et donc du coup, mais celle-là, elle a été faite un jour où j'étais particulièrement courageux. Mais voilà, comme il avait plu la veille, je savais qu'il y aurait de l'humidité, que donc les sujets seraient voilà, avec des gouttes, etc. Et je trouve que ça apportait un petit plus à l'image. Ça paye d'être courageux, hein. Ouais, de temps en temps, ouais. Donc ça, c'est un ascalaphe. Donc ça fait partie de la famille des libelluloïdes. Enfin, du groupe. Voilà. Donc ça a des ailes nervurées. Bon, c'est un de mes sujets préférés, l'ascalaphe, parce que c'est vraiment un insecte majestueux. Celui-là, c'est un ascalaphe ambré. Là, on le voit. Il a des petites taches noires en bas des ailes, et quand on le voit de plus près, on a un côté un peu cuivré, alors que le plus commun est vraiment jaune. Vous le verrez tout à l'heure, je pense qu'il y en a d'autres. Mais voilà, et puis ça, c'est pareil, c'est tôt le matin. Et là, on voit les petits flairs en arrière. Là, c'est des gouttes, hein, qui sont dans l'arrière-plan, qui sont noyées dans le bokeh et qui reflètent la lumière comme ça. Voilà, donc c'est une image que j'aime bien. Et puis voilà, en plus du sujet, moi, c'est un sujet qui a un comportement vraiment très spécifique, qui a une certaine curiosité, qui n'est pas forcément très farouche. C'est un prédateur, et en plus, je trouve qu'il a une bouille vraiment très sympathique. Moi, ça me fait penser, pour ceux qui connaissent, qui sont de ma génération, aux marionnettes du Muppet Show.
Moi, quand je photographie un Ascalaf, j'ai l'impression d'être dans le Muppet Show, quoi. Donc, voilà. Alors, ça, c'est une Corée marginée. Ça fait partie de la famille, on va dire, en simplifiant, des punaises, hein, des hémiptères, en tout cas. Et là, ce qui est intéressant, ce qui m'a plu dans cette image, donc, c'est de pouvoir montrer les détails de la cuticule, donc de la carapace avec toutes les petites aspérités. Il faut savoir que beaucoup d'insectes, en fait, le système de respiration passe par la carapace, en fait, si on appelle ça une carapace. Mais en fait, le nom, c'est plutôt une cuticule. Et on voit sous la tête, on voit qu'il y a le rostre, en fait. Donc, c'est cette espèce alors, de tige là qui part vers le thorax. Et en fait, c'est avec ça que cet insecte va aller butiner. Alors, il y en a qui sont butineurs et il y en a qui sont prédateurs. Si vous regardez la réduvera cible, ça va ressembler à ça, mais c'est rouge et noir, puis il y en a d'autres. Donc, je crois qu'il y a plus de 5000 espèces comme ça, qui ont toutes des fonctions un petit peu différentes. Et j'aime bien cette image. Elle est prise en fin d'après-midi. Et elle commençait à... Souvent, les insectes, le soir, ils commencent à se positionner pour passer la nuit tranquille parce que la température va chuter. Et donc, je trouvais le. Donc, c'est fait en focus taking, celle-là aussi. Hein. Alors, pour répondre à Philippe, est-ce que tu vois les questions, Eric, apparaître à l'écran ? Ouais, c'est vrai que, pardon, je ne l'avais pas lu. On peut avoir une. Là, alors, c'est forcément 60, puisque là, on est sur la. On parle du 60 mm. Donc, là, toutes les photos que vous allez voir, jusqu'à ce que l'on parle du 90, sont faites avec le 60 mm. Et après, on a préparé l'autre coup. Normalement, Eric, il a les exif qui peut vous donner à son écran. Alors, la distance comme ça, à la louche, en plus, celle-là, j'ai pas forcément, comme je le fais toujours, celle-là, j'ai pas mis les exif, mais là, a priori, comme ça, de tête, je suis à peu près à 30 cm. Ouais, on est toujours super proche, hein, de toute façon. Focus tracking, je vais en parler tout à l'heure, hein, vous inquiétez pas. Tout ce qui est hyper focus, focus tracking et focus bracketing, je vais en parler dans ma présentation un peu plus tard, hein, vous inquiétez pas. Donc, on va passer à l'image d'après, Eric. Ouais. Ben, celle-là, elle est faite quelques minutes, des longues minutes, mais elle est faite, peut-être moins d'une heure après, hein. C'est un Caloptérix. Donc, c'est les Caloptérix, ça fait partie des demoiselles. Et on les reconnaît, ils ont cette particularité d'avoir les ailes tachetées. Et donc, ça, c'est un Caloptérix méditerranéen, je pense. Alors, en fonction de la forme de la tache, ça va différencier les espèces. Il y a des bleus métalliques, des rouges métalliques, des verts métalliques. C'est très, très joli. Là, c'est au coucher du soleil, en fait, au-dessus du fleuve Argence qui passe dans le Var. Et donc, on a tout le reflet du soleil. J'ai un peu augmenté la saturation pour renforcer cet effet coucher de soleil, mais c'était quand même le soir. Et du coup, c'est fait. Là, je suis peut-être à 50 cm. J'ai les bras plus ou moins tendus un peu au-dessus de l'eau. Et donc, du coup, j'en ai fait plusieurs pour avoir vraiment la netteté parce que je bougeais quand même un petit peu. J'étais pas trop stabilisé dans la mesure où je pouvais pas marcher dans l'eau ni quoi que ce soit. Donc, j'avais un peu les bras tendus. Et j'aime bien cette photo, parce qu'en fait, elle est, on voit pas forcément tous les détails de l'insecte. Mais par contre, il y a une atmosphère qui me plaît. Alors, dans les familles, ça fait partie des odonates, hein, comme les libellules. Et à savoir que là, en fait, les demoiselles, ça fait partie de la famille des zygoptères. Donc, ils se posent avec les ailes serrées telles qu'on le voit là. Les grosses libellules, là, que l'on appelle les libellules, hein, se posent avec les ailes déployées. Et donc, ça fait partie de la famille des anisoptères. Donc, ptère, c'est le mot latin qui détermine, qui veut dire « aile ». Et zygoptère, ça vous rappelle les zygomatiques, donc c'est la symétrie. Et anisoptère, c'est l'élément qui supprime, en fait. Je ne vais pas faire de latin, je suis pas latiniste, hein, non plus. Mais voilà, donc du coup, au niveau des noms, c'est ça, on va différencier les anisoptères des zygoptères par ces positions d'ailes. Entre autres, il y a d'autres différences, mais ça, c'est vraiment ce qui les distingue et c'est ce qui leur vaut d'ailleurs le nom de ces sous-groupes dans les odonates.
Donc voilà, là c'est une demoiselle, hein, faite, ben, c'est tôt le matin aussi, avec le 60. Là je suis vraiment, je pense au maximum. Et ce que j'utilise souvent comme ça, plutôt que des fois de mettre des bonnettes ou des bagues à longe, etc., parce que ça génère, alors je le fais de temps en temps bien sûr, mais ça génère des manipulations. Moi j'utilise souvent le zoom numérique. Alors le téléconvertisseur numérique, ça s'appelle dans nos boîtiers. Et quand on, alors la contrainte, c'est de pas monter dans les ISO parce que sinon ça dégrade très fortement l'image. Mais quand on est pas très haut dans les ISO, ben, on arrive à avoir des grossissements donc qui multiplient par deux le grossissement maximum. Donc du coup, ben, cette demoiselle là, cet agrillon, il est au grossissement maximum sur le capteur. Et j'aime bien ça parce qu'on voit justement centré sur le thorax. Hein, les insectes ont une tête, un thorax, un abdomen, contrairement aux arachnides. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit tous ces poils qui sont des poils sensoriels. On voit toutes les griffes sur les pattes qui leur permettent de capturer leurs insectes. Hein. Il faut savoir qu'à peu près une demoiselle comme ça, je crois que ça mange. Je crois que c'est dans les 200 ou je crois c'est plus de 200 mouches par jour ou 200 moustiques par jour. C'est un super anti-moustique. Donc ça fait plaisir à vraiment tout le monde. Et donc voilà. Et puis on voit aussi l'insertion des ailes, la partie les odonates, hein, donc libellules demoiselles. Ça fait partie des insectes qui ont un système de vol absolument fabuleux, hein, qui est vachement étudié, notamment pour tout ce qui est drone, pour la technologie aérienne, etc. Et elles ont les ailes qui peuvent se mettre dans plein de sens, ce qui fait que cet animal peut voler en stationnaire, d'avant, en arrière. Ça peut voler en diagonale, de haut en bas. Ça peut, et parce que chaque aile est indépendante l'une de l'autre, et ça prend des positions assez folles dans les airs. Et je trouve que, ouais, voilà, de voir un peu l'insertion au niveau du thorax, c'est assez intéressant. Alors, je pense que le focus taking, Val, on va l'expliquer tout à l'heure un petit peu plus loin. Je vais quand même en parler rapidement parce que c'est vrai qu'on en parle souvent dans tes images et si les gens ne comprennent pas de quoi on parle, c'est un peu embêtant. Je rentrerai dans les détails tout à l'heure avec des exemples avec et sans focus stacking. Le focus stacking, Val, en fait, ou tout le monde, après je dis Val, ça intéresse tout le monde, j'imagine, le focus stacking vient compenser la profondeur de champ. En fait, la macrophotographie est un domaine photographique où quand vous faites la mise au point, généralement, c'est à un seul endroit. Et tout le reste va être flou en dehors de l'endroit où vous avez fait votre mise au point. Ça, c'est un peu moins compliqué avec notre taille de capteur, puisque vous allez agrandir votre profondeur de champ à cause de notre capteur. Mais vous avez aussi un outil qui s'appelle l'hyperfocus. Alors, je suis désolé dans le terme qui se trouve dans votre boîtier, mais ça s'appelle du focus stacking. Le focus stacking, en fait, suivant le modèle que vous avez, va vous faire un nombre d'images à mise au point décalé. Et une fois qu'il aura décalé le nombre d'images que vous aurez programmé, il va les assembler pour faire une seule image qui va donc agrandir votre zone de netteté. Donc ça, c'est le focus stacking. Et le boîtier va générer l'image directement après la prise de vue. Il n'y a pas besoin d'ordinateur. Ce que vous expliquez tout à l'heure, Eric, oui, il sort des fois son image directement de son boîtier en JPEG et vous avez l'accumulation du focus stacking. D'accord? Donc ça, c'est une aide à augmenter votre zone de netteté en sachant qu'en fonction de l'appareil que vous avez, le focus stacking ne va pas démarrer là où vous avez votre mise au point. Il va démarrer deux images avant ou trois images avant ou une image avant en fonction de votre appareil. Donc, si vous programmez par exemple 15 images et qu'il va donc faire une première, une deuxième, donc il y a deux en moins déjà, et ça va en faire 13 derrière pour pouvoir agrandir votre zone de netteté. D'accord? Donc, ça, c'est le focus stacking. Et après, on développera un peu le bracketing un peu plus tard dans la présentation. Voilà. Concernant Philippe, qui pose une question sur le téléconvertisseur, c'est le téléconvertisseur numérique. Donc celui qui est intégré dans le boîtier. Ce n'est pas le téléconvertisseur MC14 ou MC20 dont parlait Eric. Ça, vous avez souvent le symbole de la loupe avec un x2. Et c'est ce symbole-là qui, enfin j'imagine que c'est ça dont tu parlais tout à l'heure, Eric, Absolument. qui est appelé le téléconvertisseur, qui Tout à vous fait. permet éventuellement de compenser un manque de valeur focale
ou le fait de ne pas pouvoir vous approcher de votre sujet. Donc ça, ça vous permet donc d'avoir une aide. C'est un peu comme si vous vous amusiez à zoomer sur votre écran d'ordinateur, vous faites plus, vous allez grossir votre sujet, mais à un moment, ça va se dégrader. Donc le x2 sur le boîtier est calculé pour que ce soit hors dégradation de l'image. Et ça vous apporte ce petit plus dont parlait Eric. D'accord ? Et ouais. Sur cette image-là, on voit qu'il y a un reflet de lumière là, sur l'arrière de l'œil. En fait, là, c'est j'ai utilisé une lumière LED, ouais, juste là. Voilà, en fait, là, c'est une lampe à LED pour éclairer le sujet, pour éviter de trop monter dans les ISO par rapport à l'horaire à laquelle je l'ai faite, cette photo. Alors, c'est un marbré de verre, papillon, ça s'est fait tôt le matin aussi. J'aime bien la tonalité pastel, je fais des séries comme ça, pastel, et je trouve que le papillon, il est dans ces tonalités-là, un peu avec l'arrière-plan. Et là, pareil, il y a un focus taking, il n'y a pas de lumière additionnelle, c'est le focus taking du boîtier directement, très légèrement modifié, c'est-à-dire que des fois, je peux rajouter un peu de contraste en développement sur DxO. Moi, j'utilise beaucoup DxO, donc voilà, des fois, je rajoute un peu de contraste, je travaille un petit peu sur la courbe de lumière, etc. Mais c'est une photo. On voit qu'il y a encore des gouttes d'humidité, hein, donc ça veut dire que voilà, ça a été fait soit tôt le matin, soit après la pluie, mais celle-là, elle a été faite tôt le matin. Alors ça, c'est un Cryocère d'Ulysse. Donc alors là, il est la fleur, c'est un ail sauvage, hein, et là, l'idée, c'était de jouer un peu sur la tonalité des tons orangés. Et on est donc sur un coléoptère qui est un butineur. Et voilà, l'idée là, c'était vraiment de. Alors, j'essaye toujours de. On peut avoir tendance, à une époque, j'avais un peu tendance à faire ça, à me focaliser sur les libellules, sur les ascalaphes, sur deux, trois trucs qui me plaisent particulièrement. Et en fait, au fil du temps, je trouve intéressant de montrer des insectes qui sont peut-être moins esthétiques, qu'on voit peut-être un peu moins. Et du coup, là, c'est voilà, ça fait partie. Moi, j'aime bien trouver des sujets comme ça qu'on voit un peu moins parce que c'est voilà, ils volent pas ou ils volent moins. En tout cas, ils ont pas de grands vols. Ils vont voler pour se déplacer d'une fleur à une autre, mais c'est pas des grands vols comme sont capables de le faire les libellules, etc. C'est juste un vol de déplacement. Donc du coup, on les voit un peu moins. Ils sont souvent plus proche du sol, et voilà, j'aime bien montrer la variété des sujets. Hein. C'est. Je trouve que la macrophotographie, il n'y a pas besoin de faire des kilomètres pour trouver des sujets. Ouais. Parce que si vous avez la chance d'avoir un jardin ou une forêt vert chez vous, il suffit juste de faire trois pas, et si vous regardez, vous vous penchez, vous baissez, vous allez en trouver. Vous soulevez des souches d'arbres, vous. Tout bêtement, des fourmis, tout bêtement, voilà. Vous pouvez trouver énormément d'insectes autour de vous sans aller au Kenya pour photographier un lion. Sans, voilà. C'est l'avantage de la macrophotographie, c'est que vous avez un univers invisible à hauteur d'homme. Et si vous vous baissez un petit peu, il y a énormément de choses à photographier et à découvrir. Ouais, c'est un des avantages de la photographie, hein. C'est qu'on peut le faire très facilement, quasiment n'importe où. Et c'est vrai que ça, on fait un safari très très vite, et comme tu viens de le dire, on n'a pas besoin de faire des grandes distances pour aller trouver des sujets, même si le fait de se déplacer, ça va permettre de changer de milieu, des fois d'altitude, etc., et de trouver des espèces qu'on peut pas trouver forcément devant chez soi. Mais en tout cas, il y a ce côté, il y a presque cette facilité là à trouver des sujets, ça, et pourtant ce sont des sujets qui sont sur le pas de nos portes et qu'on connaît très très peu. Donc il y a vraiment aussi cette démarche là de se dire de connaître un petit peu la faune qu'on a autour de chez soi, et donc la microfaune en fait partie, et enfin la macrophone, parce que sinon ça va être mal interprété, mais et de vulgariser ça, parce que souvent quand je m'en suis aperçu il y a pas longtemps là, je fais une intervention dans une école avec des mamans qui accompagnaient leurs enfants, et qui sont complètement déconnectés par rapport à la connaissance des sujets, et parfois avec des réactions qui sont hyper disproportionnées par rapport au danger que ne représente pas l'insecte, mais qui évoque en tout cas un danger potentiel. Voilà, tu nous rassures, c'est pas un serpent, hein.
forcément. Non, c'est un petit, c'est un lézard, celui-là, c'est un lézard gris, je crois, ou lézard des murailles. Ouais, c'est ça, lézard des murailles. Donc, là, c'est pareil, hein, je l'ai trouvé en faisant de la macro. Il est passé là, donc du coup, ça fait un sujet que j'ai photographié en passant. Il est resté quelques secondes à m'observer. Ça permet de faire cette photo. Les lézards, c'est pas aussi fréquent qu'on puisse cela en plus être aussi proche. Donc, du coup, voilà, je trouvais la Tu peux photo nous donner sympa. Elle la est faite taille, avec Eric? le On 60. Pardon? ne se rend pas forcément compte, nous, de la taille des insectes. Tu as une idée de la taille, au-delà de la distance à laquelle tu les photographies, de tes excifs. Mais est-ce qu'on là, on est sur un animal qui est un insecte qui est assez grand, qui est vraiment microscopique? On est dans quel... Alors, le lézard, là, c'est un reptile, mais ben, ce qu'on voit opposé au sol, ce sont des aiguilles de pin, D'accord. l'arbre. Hein. Donc, ça donne une idée quand même de la taille. Alors, le lézard, il est quand même, celui-là, il est relativement long. On va dire que en termes de taille, ça fait pas une dizaine de centimètres. Le cryocère précédent, d'ailleurs, c'est pas un cryocère, c'est un. Si, ouais, c'est un cryocère d'Ulysse. Mais ça fait moins d'un cent... ouais, ça fait 6 mm. Hein. Ça fait C'est ça que des fois, on ne se 6 mm. rend pas forcément compte en image macro, on ne se rend pas Ouais. compte de la taille des insectes. Et c'est vrai que Ouais, tout c'est à fait, ouais. reste infiniment petit, quoi. Ça reste Ouais. infiniment petit. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, alors ça, bon, pour en revenir à lui, par exemple, ce qui est difficile, c'est d'avoir. On voit que la partie orange, ça va, mais souvent, les insectes comme ça, là, les coléoptères, souvent, ils ont la tête qui est noire, etc. C'est difficile de faire ressortir du détail. Donc, il faut avoir souvent une lumière additionnelle pour pouvoir faire ressortir les yeux, etc. Là, il n'y en a pas, mais c'est juste que la lumière, elle tapait bien dessus. Donc, du coup, ça fait ressortir le détail. Mais si la lumière était arrivée par le côté ou quoi, ben, la tête, elle serait très sombre. Et du coup, c'est un peu plus difficile à mettre en valeur, en fait. Donc, c'est vrai que le fait d'utiliser des lumières additionnelles pour ce type de sujet-là, ça devient intéressant. Ou alors, d'avoir la chance que l'insecte se positionne bien par rapport à la lumière. Là, c'était le cas. Bon, on va parler de ton chouchou maintenant, enfin ton nouveau chouchou, le 90. Ouais, c'est un peu le. Ouais, voilà. Alors lui, il cumule tous les avantages, hein. En termes de grossissement, il y a la possibilité d'utiliser les multiplicateurs, hein, le 14 et le 20. Enfin, tout à l'heure, on en parlait. Et moi, c'est vrai que j'utilise beaucoup avec le MC14. Ouais, il a cette qualité-là aussi de pouvoir travailler à distance suffisamment, on va dire, importante par rapport au sujet, donc en étant moins effrayant pour les sujets, et du coup en gardant une distance suffisante, d'avoir des grossissements qui sont quand même conséquents. Et voilà, la tropicalisation, la stabilisation. Alors quand on est en mode super macro, il passe automatiquement à F5. Je dis ça parce qu'on m'a fait plusieurs fois remarquer. Et Comme effectivement, toutes les là, quand marques, on est bien sûr. sur des rapports de grossissement aussi importants, F5, en fait, ça reste pas beaucoup, quoi. Voilà. Donc après, je suis pas l'ingénieur de cette optique. Moi, j'en suis qu'un utilisateur, mais pour moi, c'est vraiment une superbe optique pour quand on est amateur de macro photographie, quoi. C'est vraiment, pourtant, je suis très fan du 60, hein, mais le 90, il pose le niveau un peu au-dessus par ses caractéristiques de stab et de pouvoir utiliser les multiplicateurs, d'avoir cette focale de 180 mm en équivalent 24-36 qui, voilà, qui permet de travailler à distance. Et du coup, on peut faire, alors je fais une parenthèse, on peut faire aussi de la proxy avec cette optique et de la macro. Et donc ça, c'est vachement bien, quoi, en gardant un flou d'arrière-plan qui est sympa. Voilà, ouais, On va le voir sur les différentes images. C'est vrai que là, on voit qu'on monte en catégorie, quoi. Très clairement, sur tes images, ou celle qu'on voit là de Léo, qui est un ambassadeur. J'ai vu qu'il y avait François Drouvin qui nous faisait un petit coucou là tout à l'heure. Donc j'attends, s'il y a Bonjour qu'un patient François. qui veut découvrir les images de François, qui a aussi également un 90 mm dans les mains en ce moment. Donc ouais, non, mais c'est des images tout de suite. On sent que voilà, on franchit un palier avec cette optique. Et même vous, en tant que photographe, je pense que... Moi, je pars toujours du principe que quand on prend du plaisir, bah, automatiquement, les images, elles prennent beaucoup plus de qualité. Et je le ressens sur chacun d'entre vous. Dès que vous utilisez le 90 macro, les images, boum, ça monte d'un palier tout de suite, quoi.
Ah ouais, il donne des possibilités, ouais, c'est vraiment terrible. Alors, je vais faire un focus, moi, avant de te redonner la parole sur les images, Eric, sur la tropicalisation, puisque cette optique est officiellement testée IP53. Donc, il faut savoir qu'on est quasiment, je crois qu'il n'y a que l'EIKA sur quelques boîtiers qui l'indiquent aussi, mais la tropicalisation, vous voyez là, je vous ai mis un schéma, vous avez des joints d'étanchéité à chaque ouverture de l'optique, mais vous pourriez très bien imaginer la moitié des joints d'étanchéité et j'aurais le droit légalement d'annoncer que mon optique est tropicalisée. Donc, le seul moyen de vraiment connaître le niveau de tropicalisation d'une optique, c'est l'indice de protection que vous pouvez retrouver sur d'autres dans d'autres univers. Je vais prendre un exemple tout bête. Si vous achetez une patinette électrique aujourd'hui ou un vélo, l'indice de protection est indiqué. Donc, il y a d'autres univers dans lesquels vous pouvez retrouver cet indice de protection. Et donc, toutes nos nouvelles optiques et nouveaux boîtiers sont testés pour savoir le vrai niveau de tropicalisation auquel qui va vous garantir l'efficacité du système. Je vais prendre un exemple tout bête. Ce week-end, j'étais en shooting. Alors, j'ai terré la marque, hein, bien sûr. Moi, je suis équipé avec un OM1 et on a fait des photos, mais vraiment sous des trompes d'eau pendant 30 minutes. Et j'ai aucun problème. Et mon collègue à côté il me dit, je vais faire comme toi, il n'y a pas de problème. Il est tropicalisé aussi. Sauf qu'au bout de 5 minutes, son écran est tombé en panne et son viseur était rempli de buée. Et son boîtier était annoncé tropicalisé. Donc, le niveau de protection, donc IP53, et ce sont vraiment des valeurs aujourd'hui qui, à mon avis, devraient être obligatoires et qui permettent vraiment de savoir ce que vous avez acheté et la garantie que vous avez dans l'utilisation de ce genre d'objectif ou de boîtier, hein, puisque c'est pareil. Et puis, je terminerai donc avec les deux téléconvertisseurs qui sont compatibles, en théorie, principalement sur les longues focales chez nous. Vous avez la compatibilité sur le 40-150 à 2.8 dont on parlait tout à l'heure. Vous avez la compatibilité sur le 300 mm également à F4 de chez nous, sur le fameux 150-400. Vous avez également cette compatibilité-là, puisque ces téléconvertisseurs sont vraiment étudiés pour aller sur des optiques précises et de ne pas perdre en qualité. Vous allez perdre en ouverture, donc je fais attention à ce que je dis maintenant sur les ouvertures, vous allez perdre un diaph ou deux diaph, mais vous n'allez pas perdre en qualité optique, puisque on le voit sur les dessins, vous avez la possibilité, donc vous voyez, vous avez une partie de la lentille du téléconvertisseur qui va rentrer dans l'objectif et venir se coller sur celle qui se trouve à l'arrière de l'objectif. Donc c'est pour ça que certains pensaient pouvoir le mettre sur n'importe quelle optique, mais la lentille arrière, s'il n'y a pas de quoi rentrer les téléconvertisseurs, vous ne pourrez jamais les utiliser. Donc si vous avez envie d'investir dans du téléconvertisseur, attention à bien vérifier que c'est la compatibilité de l'optique que vous avez envie d'exploiter avec. Hein, d'accord? Je repasse sur tes images, Eric, pour que tu nous présentes un peu ton travail avec le 90 mm. D'ailleurs, on va le voir, hein, ce que je disais tout de suite. On va monter d'un niveau naturellement. Alors, je te laisse prononcer le nom de cet animal. Oui, c'est une petite nymphe à corps de feu. J'adore le nom et c'est une demoiselle, hein. Donc voilà. Mais alors celle-là, je l'ai trouvée en Isère je suis content parce que c'était une espèce qu'il n'y a pas chez moi et que je voulais à tout prix faire, ne serait-ce que pour le nom. Mais celle-là, donc avec le 90 associé au MC14. Et vous voyez le petit reflet. Alors moi, je trouve qu'elle a des couleurs magnifiques, hein, les dorés, des nuances de doré, de rouge, etc. Et on voit dans le reflet de l'œil qu'il y a un flash qui a été utilisé, donc c'est le FLR700WR. Sur la période là où j'ai fait cette photo, il y avait des averses et des orages en grande quantité quand même. Donc l'avantage de ce flash, c'est qu'il est aussi tropicalisé, donc ça fait un couple vraiment très homogène. En fait, il n'y a rien qui limite à la prise de vue. Au niveau intempéries, on est armé. Et du coup, alors cette photo, elle est faite, l'utilisation du flash, ça permet de fermer le diaphragme, de renforcer les contrastes, de déboucher les ombres, de renforcer la saturation des couleurs. Et donc, là, c'est une photo. Il n'y a pas de focus taking sur cette photo. Elle a été faite juste en une prise et j'étais à F13. À une vitesse de N250e, et du coup, le flash permet de travailler avec des ouvertures très fermées
et d'avoir cette compensation de manque de lumière par l'ajout de flash, qui a tous les avantages dont je viens de vous expliquer. Et voilà, là, ben, alors là, c'est un Hespéris, c'est un papillon aussi, c'est sur le même week-end là, que la précédente, mais par contre, là, j'ai pas utilisé de... si, j'ai utilisé un flash. Je regarde les exifs parce que je ne me rappelle pas de tout en même temps. Donc là, c'est F10, pareil, hein, le 90 avec le MC14, et on voit vraiment tous les détails de la fourrure qui recouvre un peu le thorax et l'abdomen du papillon. On devine les écailles sur les ailes. En fait, les écailles, c'est ce qui vaut le nom. Les papillons appartiennent à la famille des lépidoptères. Donc, ptères, hein, rappelez-vous, c'est les ailes et l'épi, c'est les écailles. Donc, les ailes sont écaillées. Et j'aime bien cette photo, voilà, parce qu'elle a été faite sur un shoot avec donc le flash. Et le fait d'avoir fermé le diaphragme, eh ben, ça permet de faire ressortir du détail. Et je n'étais pas aussi près que ça. Et j'ai utilisé là aussi le téléconvertisseur numérique. Donc du coup, on multiplie les trucs, mais il y avait un peu de distance. Et ouais, ça permet de faire cette photo-là, voilà, de faire ressortir les détails de cet insecte. Alors effectivement, là, je vais me permettre de répondre à David, Eric. Il faut savoir que le 90 mm, c'est une optique unique au monde. Il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui sur le marché. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a un prix. Je vais revenir sur ce que j'avais mis au début, avant de remontrer les images d'Eric. Donc, quand je mets macro unique, c'est que vous pouvez regarder toutes les autres marques. Il n'y a pas une optique macro qui est capable de faire un rapport de grossissement x8 aujourd'hui avec les téléconvertisseurs, qui en plus se recouvre stabilisé, 3-5 d'ouverture. Voilà, tout ça, ça n'existe nulle part ailleurs. Et toute cette fabrication et cette conception de cette optique qui la rend unique, je suis d'accord, comme toutes les choses un peu uniques, eh ben, il y a un prix, il y a un coût. Maintenant, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un message de quelqu'un qui a eu la chance de l'utiliser en Camargue de la part de C. Gaël. Donc effectivement, on était au Festival de la Camargue avec un magasin. Bon, voilà, vous l'avez testé. C'est une optique, encore une fois, on est sur un autre niveau et forcément, bah, ça a un coût. Je dis que nous, qu'on justifie par rapport à toutes ces caractéristiques techniques, quand je l'ai présenté à la presse, hein, la première chose également, c'était le prix. Et à la fin de ma présentation, quand je leur ai donné tous les avantages technologiques et tout ce que cette optique pouvait apporter, vous pouvez regarder les articles de presse, il y a très peu de commentaires qui font que le prix... ne soit pas quelque part justifié aujourd'hui, de par l'augmentation générale, déjà toute marque confondue de la gamme des optiques, mais celle-là particulièrement par rapport à ses capacités technologiques, son prix est aujourd'hui, entre guillemets, justifié. Et voilà, même la presse en a convenu que, vu tout ce que ça proposait, eh ben, il n'y avait pas d'équivalent sur le marché aujourd'hui. Je te redonne la main, Eric, concernant tes images. Oui, voilà. Donc, alors, là, ici, on est sur une Sumizip. Donc, ça fait partie de la famille des diptères. On va dire que c'est dans la même famille que les mouches. Hein, utilisé sans le multiplicateur, sans le téléconvertisseur, mais par contre, avec le flash, c'était aussi assez tôt le matin. Et ben, l'avantage du flash là, dans la situation, ben, c'est que ça fait ressortir du détail. On voit bien les couleurs de l'œil avec ces nuances de rouge et de jaune. Et le diaphragme était fermé à F8 pour une vitesse de 1 centième. Voilà, et on voit vraiment bien tous les détails du poil, du thorax, etc. Alors là, on le devine un tout petit peu sur la partie thorax. Si tu peux un tout petit peu descendre l'image. La descendre, voilà, comme ça. On voit que quasiment au milieu, là, il y a une petite partie un peu plus claire entre le thorax et l'abdomen. Et donc, c'est une partie, en fait, c'est des ailes qui se sont atrophiées au fil de l'évolution et qui leur sert maintenant à tous les diptères, ont ça. Qui leur sert de stabilisateur pour avoir un vol plus rectiligne.
Et ouais, j'aime bien montrer comme ça là, les diptères de côté parce qu'il y a cette petite particularité à laquelle on ne fait pas souvent attention et qui, je trouve, est assez intéressante à connaître. C'est une petite question pour toi, Eric. Alors, ouais, je vais te dire à peu près, hein, c'est à la louche comme ça, mais en autofocus, je travaille à peu près globalement à 80% des photos. Ok. Ben moi, c'est une réponse rapide. Ouais, Merci, mais Eric. ça, c'est parce que c'est une réflexion. Ben, de la même manière, hein, quand j'ai changé de matériel, en fait, je me suis aperçu, c'est vrai qu'avec l'ancien matériel, on va dire que je faisais 80% des photos en mise au point manuelle. Et quand j'ai commencé à utiliser le matériel Olympus à l'époque, je me suis aperçu que l'autofocus, il était ultra précis, ultra réactif, que ça fonctionnait vraiment bien. Et finalement, j'ai changé mes habitudes de travail et au global, alors ça peut être 75%, mais en tout cas, je suis sur des valeurs vachement hautes de travail avec l'autofocus. Et je pense que je suis dans cette marge de zone là de 80-75% de mon travail est fait en autofocus. Ouais. Merci Eric. Donc la SCALAF, tout à l'heure que l'on a vu sur une vision un peu plus, là c'est un SCALAF plus commun, c'est pas l'ambré, mais vous voyez la tête qui est vraiment qui m'évoque moi ça, c'est fait avec le MC14, avec le téléconvertisseur numérique. Donc avec le flash, donc à F10, et donc une prise de vue, une photo, et du coup ça permet, ben, quand les sujets sont un peu mobiles, l'avantage du flash, et ça c'est aussi que on va pouvoir faire ressortir du détail sur une image sans faire un focus taking, même si le focus taking est vraiment très très rapide, et que excusez-moi, j'ai mon chien qui s'impatiente, il a faim. Allez, excusez-moi, ça suffit. Et donc, du coup, voilà, ça permet d'avoir ce détail, etc. Et c'est une alternative des fois au focus taking. Et encore une fois, je fais pas mal de focus taking aussi sur des sujets qui sont très actifs parce que ça va tellement vite qu'on arrive sur une fraction de seconde à le faire. Mais là, l'idée, c'était pour moi, là, j'avais envie de travailler au flash sur cette image. Est-ce que tu limites la zone de mise au point pour l'autofocus, Eric? Ben, j'utilise les. Alors pour le 30, en fait, il n'y a pas de limite d'autofocus. Donc quand j'utilisais le 30, je mettais des limites pour l'autofocus. Le 60 en a et le 90 en a et je me contente de celle de l'optique. Après, la forme de travail, c'est quand ce que je fais, c'est que si par exemple, parce que ça arrive que le contraste soit pas suffisant pour de multiples raisons, notamment des manques de lumière, d'autres situations, si je vois que l'autofocus commence à pomper, j'arrête de suite et je travaille en mise au point manuel. Je reste pas le doigt sur l'autofocus à attendre qu'il fasse la mise au point. Très rapidement, si je vois qu'il la fait pas, du coup, je relâche et je passe en mise au point manuel parce que le boîtier il est programmé en back button focus avec la retouche du point manuel. Donc, du coup, je travaille très rapidement comme ça. D'accord. Est-ce que tu travailles en CAF plus MF ou tu travailles en SAF plus MF dans ces Non, cas-là? CAF plus MF, autofocus D'accord. continu plus MF. Sur les insectes, tu préconises plutôt la technique de prise de vue en autofocus continu? Ouais, moi, c'est ce que je privilégie parce que de toute façon, déjà, même là, quand ils sont relativement figés, ils arrivent quand même un petit peu à se déplacer. Hein. Bon, là, sur la position de cette plante, dans l'exemple, pour lui, c'est plus difficile. La plante, elle était un peu recourbée, etc. Mais des fois, ils sont sur des tiges et ils arrivent à tourner, même s'il fait froid, ils ont quand même, selon la température, ils arrivent quand même un petit peu à se déplacer. Parfois, il y a un petit peu d'air qui fait que le sujet bouge. Donc, si vous êtes en SAF, même avec un tout petit peu de brise, la mise au point, elle risque d'être faussée. Donc, moi, je travaille comme ça, en autofocus continu avec la retouche du point manuel. Bon, après, je pense que tu as déjà répondu à cette question, mais tu paramètres pas les distances minimum de mise au point dans le menu de l'appareil. Tu le fais via Ben non, le menu avec le 60 et le de l'optique. 90, tu les as sur le flux de l'optique. Donc, du coup, je paramètre pas. Par contre, si quand j'utilisais le 30 mm, ils étaient
il était effectivement paramétré dans le boîtier et selon les optiques que j'utilise, mais hors macro, il m'arrive effectivement d'avoir des paramétrages en fonction des optiques et des lieux dans lesquels je me trouve. Donc là, on est sur une nouvelle bête. Ouais, ça c'est un cryptocéphale soyeux, donc c'est un petit coléoptère butineur et qui a des couleurs magnifiques, hein, comme vous pouvez le voir là, de cuivré et de vert métallique comme ça. Là, cette photo, elle a été faite il y a pas longtemps. De la même manière, hein, multiplicateur MC14, téléconvertisseur numérique. Et là, par contre, j'ai pas utilisé le flash, j'ai fait un focus staking. C'est le résultat issu du boîtier, en sachant que quand on utilise le téléconvertisseur numérique, le résultat n'est qu'en JPEG. Donc du coup, quand on fait le focus staking, le résultat est en JPEG aussi. Donc ça s'associe bien, on a le résultat en JPEG qui est grossi. Et si on veut, ben, on a les photos sources en fichier RAW. L'agapanthe du chardon dont je parlais tout à l'heure qui est présent sur le chardon, donc c'est l'exemple par l'image, hein. Donc là il est sur un chardon, celui-là il est relativement jeune parce que la taille est pas très grosse, mais bon, je trouve que ses antennes sont juste magnifiques. C'est une tête un peu assez équine en fait, ça fait penser à un cheval la tête. On le verra pas dans la série d'images là, mais j'ai un focus staking sur un sujet qui est plus gros que celui-là et je trouve que ça rappelle la tête d'un équidé. Donc mais c'est assez joli. Ben voilà, là on a une mouche classique, hein, donc qui est faite le matin. Alors celle-là, c'est fait avec un flash. Donc sur le flash, je mets un diffuseur, hein. J'utilise pas le flash directement comme ça. Et si vous regardez là derrière la patte du milieu, hein, alors les insectes, ça a toujours 6 pattes. Donc si on prend la patte du milieu, on voit l'aile atrophiée, la partie blanche entre les deux pattes arrière là. On voit ce petit balancier en fait qui est l'atrophie des ailes dont je parlais tout à l'heure, qui était moins distinguable là, voilà, là où il y a la loupe là. Ça, ce sont des ailes atrophiées au fil de l'évolution. Alors, c'est vrai que cette photo, elle est incroyable en termes de netteté. Ouais, après, on voit les poils sur la langue, hein, donc ça, je trouve ça assez intéressant de voir autant de détails, parce que là, la mouche, elle va se nourrir en allant sucer ses aliments, et donc les poils la contribuent à permettre cela. Ça, c'est une cétoine verte qui est faite j'ai pas mis les exifs, mais j'avais le multiplicateur, le MC14, et c'est fait avec le téléconvertisseur aussi, et avec le flash, avec le diffuseur. Et là, par contre, il n'y a pas un focus staking, c'est une image. Alors, le diffuseur, c'est ça. C'est le AK diffuseur. Voilà. C'est un outil complémentaire, je trouve, qui vient enrichir, comme avec le STF8, là. Ça travaille un petit peu différemment et du coup, c'est des accessoires complémentaires. Alors, comme tout à l'heure, on parlait, je crois que c'est à la personne qui disait qu'elle était novice. C'est vrai qu'au départ, on peut travailler c'est ce qu'il y a de bien en macro, de manière très simple, en s'allégeant au maximum. Et en même temps, on peut faire évoluer ou varier son travail avec différents accessoires. Et ça, je trouve que c'est un accessoire qui est vraiment très très intéressant à utiliser. Voilà, encore après il faut se l'approprier. Donc ici on a une araignée tomise. Alors c'est le mâle, donc le mâle est beaucoup plus petit que la femelle et on le reconnaît. Vous voyez, on a deux, on appelle ça les pédipalpes, hein, ce sont des pattes tactiles. Donc là on est sur des arachnides, on n'est pas sur un insecte. Il faut faire la différence. Je sais qu'on est sur la semaine des insectes. Mais les arachnides ne sont pas des insectes. Je parle d'arachnides. Là, c'est une araignée. On pourrait trouver les scorpions. On pourrait trouver des pseudo-scorpions, des opilions qui font partie de la famille des arachnides. Il faut savoir que les arachnides se différencient des insectes par leur nombre de pattes. Elles ont 8 pattes. Constitution, la physionomie, en fait, une araignée, ça a une tête céphalothorax et un abdomen. Les insectes ont une tête, un thorax et un abdomen, un nombre de pattes différents, et souvent les araignées ont 8 yeux. Voilà.
Donc là, on est sur le mâle qui est tout petit, qui se dissimule en fait sous la marguerite là. Et quand il y a un insecte qui vient butiner, il va la prendre avec, ça fait partie des araignées crabes. Hein, on voit les pattes telles qu'elles sont ouvertes et il vient la saisir avec les pattes. Il va injecter. Alors, une araignée ne pique pas, mais ça mord. D'accord? Donc ça, elle va mordre sa proie en injectant. D'ailleurs, même les insectes hein, qui sont des comme tout à l'heure, on parlait de la réduve irascible, là, ça va injecter des enzymes qui vont liquéfier l'intérieur de leur proie, puisqu'il y a cet exosquelette qu'on appelle la cuticule. Et une fois que l'enzyme va avoir dissous tous les organes à l'intérieur, eh bien, il va aspirer ça comme un milkshake et se nourrir avec cet aliment. Et le cadavre de l'insecte, en fait, restera juste la cuticule vidée de tous ses organes intérieurs par l'aspiration du prédateur. Et voilà, donc, une araignée Napoléon. Donc, on comprend hein, pourquoi on voit sur l'abdomen, on voit la forme du chapeau de Napoléon, c'est ce qui lui vaut son nom. Et là, vous voyez, ça fait partie aussi des araignées crabes. Alors, la taille, alors, la précédente était encore plus petite. Hein, la précédente, elle doit faire 3-4 mm, ça c'est un petit peu plus gros, ça doit faire 6-7 mm à peu près. Et ça se cache sous les fleurs, hein. On voit que là elle est sur un pissenlit, et ça vient, alors des fois ça se met sur le cœur de la fleur et ça bouge pas, et ça attend sa proie, et des fois ça vient se cacher juste sous les pétales quand ça se sent menacé. Donc là en l'occurrence la menace c'était moi, et donc du coup il a fallu que je tourne un petit peu la fleur pour essayer de la trouver de la tourner dans le bon sens, et c'est fait aussi avec le flash et le par contre il n'y a pas de multiplicateur de il y avait pas de ouais voilà de MC14. Là on est sur une larve de cicadelle, c'est un hémiptère, la cicadelle, et là la taille de la chose c'est je pense qu'elle fait même pas 2 mm, et elle est prise là aussi avec le téléconvertisseur hein, donc intégré au boîtier. Donc là, je suis au grossissement maximum. C'est fait avec le flash et c'est fait sur une image à F11. Et c'est vraiment, vous voyez la proportion à côté, c'est une tige de fleurs, mais c'est vraiment tout petit. Alors, les cicadelles, c'est un peu plus difficile à voir, mais souvent, ce qu'on voit, ce qui fait partie de la même famille, c'est le cercope sanguignolant. C'est un insecte qui est tout noir avec des zones rouges sur les ailes. Ça, c'est un peu plus fréquent. C'est physiquement tout pareil sauf la couleur, et donc le cercope c'est ça, c'est une couleur plus beige qui se fond plus avec l'environnement et qu'on a plus de mal à repérer. Et ça, c'est ça, je vais dévoiler un peu les backstage de notre présentation, mais c'est vrai que quand tu m'as présenté cette photo, c'est celle que j'ai préférée moi. Je trouve qu'il y a une tête de bélier, je trouve que c'est un insecte incroyable. Il a une tête moi, je n'en ai jamais vu, hein, parce que je n'ai jamais fait l'effort, certainement, de faire ce que tu fais toi, mais c'est incroyable, quoi. Ouais, ouais. C'est une tête incroyable. Et en fait, elle est tellement petite qu'au départ, quand j'ai fait, j'étais sur un insecte qui est posé au-dessus, il y a une fleur qui était posée sur la fleur. Et forcément, quand j'ai vu qu'il y avait un truc sur la tige, et du coup, j'ai lâché l'insecte qui était au-dessus, je ne sais même plus ce que c'était, et je me suis concentré sur la larve de la cercope, du cercope, et du coup, c'est vrai que moi, c'est un truc, des fois, j'oublie des fois de déclencher, j'aime bien observer ce que je vois, et bon, là, je voulais déclencher, je voulais faire la photo, parce que franchement, des larves de cercope, tu n'en vois pas tous les jours, quoi, et de cette taille-là, ouais, j'étais super content. On pourrait utiliser le mode... J'ai pas hâte de répondre à Philippe, parce que c'est vrai que des fois qu'on zoome dans l'image sur son compte Flickr, n'oublions pas qu'on est sur une connexion YouTube et on est compressé, et les photos sur Flickr sont également, lorsqu'on tape dedans, peuvent être compressées en fonction du poids de fichier qui est rythmé, parce que je pense que vous le savez tous, on est tributaire des vols d'images, donc on fait attention à pas les mettre en trop grande définition, et ce qui explique des fois quand on zoome dans l'image qu'on perd de la netteté, c'est parce qu'on les balance en basse def, pour pas se les faire voler. Enfin, moi, je fais ça. J'imagine que tu fais pareil, Eric. Donc, ouais, je fais ça. Mais des fois, j'oublie. Hein. Des fois, j'ai balancé. J'ai des photos sur mon compte Flickr qui sont en des définitions plus importantes. Je les ai pas enlevées pour pas. Parce que voilà, bon, j'ai dit voilà, j'ai fait l'erreur. C'est bon, je m'en fous. Mais c'est vrai qu'en général, j'essaye de les mettre en base def pour éviter. Par contre, bon, Philippe, on pourrait associer le mode haute résolution à partir du moment où, comme Eric t'expliquait tout à l'heure, vous y allez de bonne heure le matin
et que là, vous avez l'insecte qui ne bouge pas, parce que je vous rappelle que le mode haute définition, il ne faut pas que votre sujet bouge. Donc, attention au vent, parce que même si vous, vous ne bougez pas, tout à l'heure, quelqu'un a mis un commentaire sur les fleurs hautes. Donc, au niveau de la prise de vue, attention, si vous travaillez en haute définition avec le mode 50 millions de pixels, voire 80 millions de pixels, il faut vraiment vous assurer que votre sujet ne bouge pas, en sachant que lorsqu'on travaille en macrophotographie, mais le moindre bouger infime, même que vous ne percevez pas, sera amplifié. Donc attention quand même à ce genre de photos et de prise de vue. Hein. D'accord, Philippe? Oui, j'avais bien compris, Philippe, que vous parliez de la haute définition, mais je préférais mettre profiter du moment pour parler des images d'Eric sur son compte Flickr. On continue, Eric, sur la suivante. Ouais. Ben voilà, une Lucie soyeuse, donc faite avec le flash, le MC14, je crois que je l'ai faite la semaine dernière, celle-là, quelque chose comme ça. Donc c'est les mouches vertes hein, qu'on connaît, qui butinent aussi, qui contribuent à la pollinisation des fleurs, hein, on le voit là, elle est sur une marguerite, et on retrouve, comme tout à l'heure, la caractéristique, là on le devine maintenant, vous l'avez vu sur les autres espèces de diptères. Bon, on a, voilà, c'est, j'aime, bon, les mouches, je trouve que, alors c'est vrai que c'est pas forcément très beau, mais j'aime bien... Alors je retrouve une certaine beauté, malgré, alors à tous les insectes, hein, je dis pas que c'est la beauté... absolu, etc. Mais je suis assez fasciné par toutes ces caractéristiques. Il faut savoir que les insectes et les arachnides ont plus ou moins la même origine. Hein. C'est des animaux qui sont sortis de mer il y a environ 500 000 ans pour échapper à des prédateurs. Donc c'est pour ça que des fois on leur retrouve un peu des impressions de crustacés dans les articulations, etc. Si vous faites un peu attention. Et à partir de ces spécimens, ils ont tous évolué en prenant des branches différentes. Et je trouve ça assez assez fantastique de voir toutes ces évolutions en fait à partir d'un individu en fait, comment toutes les branches que ça a donné dans la variété des adaptations, dans les capacités des sujets à aller soit butiner, à devenir sur des monotaches. Voilà, je trouve ça assez fascinant. Et ouais, je trouve ça assez... alors même quand c'est... On ne peut pas dire que ça soit forcément beau au sens propre du mot, mais je leur trouve une certaine beauté. Je trouve ça assez fascinant. Ouais, je suis toujours fasciné. Pourtant, j'en ai déjà pris et ça me fascine toujours autant, quoi. Ça m'interroge. Là, on est sur une oxyope, donc une arachnide, hein, donc on voit la multitude des yeux, c'est donc un prédateur qui chasse à l'affût, contrairement aux autres, ça ne fait pas partie des araignées crabes, et là elle est sur les pétales de la fleur, et donc du coup ouais, j'aime bien, on voit tous les piquants, tous les poils, on voit que c'est recouvert d'un léger duvet, on voit les yeux en fait qui sont vraiment posés, du coup ça donne une vision à 360 et avec chaque œil il va avoir des fonctions plus ou moins différentes et ça permet d'être un super prédateur, hein. Donc c'est vrai que souvent les araignées déclenchent un peu des phobies. Il faut savoir que des araignées mortelles sur la planète, il y a 2% des araignées qui sont réellement dangereuses pour l'espèce humaine. La plupart des araignées qu'on a en France, elles n'ont même pas suffisamment de force pour transpercer notre peau. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Hein. En Corse, il y a la veuve noire. Alors moi, j'en ai vu une fois ici de veuve noire en région PACA. Ça, c'est des araignées qui sont mortelles. Après, il y a des araignées qui peuvent... causer des nécroses, mais qu'on ne va pas tout retrouver, mais franchement, c'est très rare. En général, en plus, le réflexe de l'araignée, c'est de s'enfuir et de se cacher. Donc, pour se faire mordre, il ne faut vraiment pas avoir de bol, quoi, hein, ou il faut vraiment le chercher. Mais ça, c'est des petites araignées, vous pouvez les manipuler, il ne vous arrivera rien, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est pas la peine de les écraser. Hein. Je sais que c'est souvent le réflexe de beaucoup, il ne faut pas les écraser. Parce que du coup, ça joue un rôle dans la régulation des espèces qui sont ravageuses. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est une abeille hein, en train de butiner. C'est sans flash. Donc c'est fait avec le flash. Voilà, F14 avec le multiplicateur.
Et là, c'est pareil, hein, j'aime bien l'idée là, de tous ces poils sur les yeux. Ça, moi, ce que je trouve intéressant, c'est justement, on peut faire voir des détails qu'on n'a pas le temps d'observer à l'œil nu. Et on voit voilà, que dans l'œil, il y a des poils de cette abeille. Et je trouve ça intéressant comme détail, voilà, parce que ce n'est pas les choses que l'on voit quand on les voit butiner hein, au premier chef. Voilà. Et donc, si vous regardez les pattes, même sur celle-là, là, celle qui est, mais où ça rappelle, moi je trouve quand même les crustacés, on a tous mangé du crabe ou de l'araignée, et je trouve que ça fait vraiment penser à ça, quoi. Donc là, c'est une autre abeille sauvage. Hein. On a beaucoup d'espèces, on parle toujours des abeilles domestiques qui sont élevées par les apiculteurs, etc. Il faut savoir qu'on a aussi beaucoup, beaucoup d'abeilles sauvages qui contribuent largement à la pollinisation des fleurs. Et donc, du coup, ben, ça veut dire que c'est les fleurs, c'est aussi les légumes que ça va permettre de produire. Et donc, quand ces espèces, elles disparaissent, ben, du coup, on a du mal à. On porte atteinte en fait à notre monde et on se porte atteinte à nous-mêmes, quoi. Voilà, donc ça fait partie un peu de moi de l'ambition que j'ai quand je montre les photos, c'est voilà de sensibiliser à la protection de l'environnement, à changer les comportements et les attitudes par rapport à ces animaux-là. Voilà, après ça reste modestement à mon échelle, mais voilà, c'est mon intention quand même quand je fais ces photos, c'est de les montrer pour sensibiliser à ça. Alors, ben pour avoir les ailes bien nettes pour une abeille en vol, il faut travailler avec des vitesses très élevées. Donc, ça veut dire que il faut vraiment y aller dans la journée. Il faut essayer de se mettre dans une zone qui est très butinée. Il faut alors la macrophotographie, c'est pour moi, c'est l'éloge de la lenteur et de la patience. Donc, il faut se fixer. À un endroit, patienter, repérer une fleur qui va être butinée. Et après, ben, c'est le temps que vous allez y consacrer qui vous permettra de capturer une abeille avant qu'elle ne vienne butiner. Et surtout, peut-être à l'envol, c'est la manière la plus simple de photographier une abeille, c'est de les prendre à l'envol après qu'elles aient butiné. Donc, et avoir une vitesse très élevée. Donc, on est à plus de 1/2500 en termes de vitesse, d'où l'importance d'y aller dans la journée pour avoir suffisamment de lumière. Et puis, c'est là où elles vont être actives. Donc, si on veut avoir les ailes bien nettes, c'est ça. Mais moi, j'aime bien quand les ailes sont un peu floues parce que du coup, ça montre le mouvement. Donc, Alors, j'ai même complété ton explication, Eric. Il ne faut pas hésiter à utiliser le mode Pro Capture si vous Oui. l'avez sur votre appareil, puisque ce mode Pro Capture, au moment où l'abeille va reculer, vous risquez de la louper, parce que ça va aller vite. Mais si vous activez le mode Pro Capture, c'est un mode qui permet de revenir en arrière et récupérer les images que vous avez loupées. Donc ça fait partie d'une autre thématique. Mais si vous avez le mode Pro Capture, Christian, sur votre appareil, pour photographier les abeilles, c'est juste parfait, quoi. Respectez la vitesse d'obturation qu'Eric vous a conseillé, et après vous êtes sûr d'avoir l'abeille dans le nombre d'images, même si vous déclenchez trop tard, vous l'aurez forcément dedans. Et c'est vrai que tu fais bien parce que moi, enfin, quand je fais des abeilles en vol ou des sujets en vol comme ça, c'est le mode Pro Capture. C'est alors mon boîtier paramétré hein, sur donc C1, C2, C3, C4 et C3, c'est mode Pro Capture. C1, c'est focus taking, C2, focus bracketing, C3, c'est le mode pro capture et C4, c'est un mode vidéo, parce que j'aime bien de temps en temps un peu filmer aussi. Mais c'est vrai que pour choper des insectes, surtout des butineurs comme ça en vol, le mode pro capture, c'est indispensable. Donc ça, On c'est va un terminer super. par Alors, cette je ne l'ai image. pas identifié. Je n'ai pas le nom. Je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de chercher. Je l'ai faite la semaine dernière, cette photo. Et donc, c'est fait sans flash. Avec le 90, avec le téléconvertisseur numérique, je pense, mais je ne suis pas certain de ça. Il faudrait que je contrôle. J'ai un petit doute. Je pense qu'il y a le téléconvertisseur numérique parce que par fainéantise, je mets pas. J'ai des lentilles Rénox, enfin des bonnettes Rénox ou des bagues à longe pour augmenter le grossissement, etc. Mais c'est une manip supplémentaire. Et encore une fois, hein, je regarde toujours la valeur des ISO. Si elle n'est pas très élevée, moi, je suis très content du résultat. C'est le JPEG sorti du boîtier, encore une fois, très légèrement amélioré par un petit travail en post-production de développement.
Mais je trouve que le téléconvertisseur, ouais, ça fait partie de mes outils. Alors, je l'ai mis en raccourci sur le bouton de LFN que l'on a sur le 90, par exemple. Et pour les deux autres optiques macro, je mets un raccourci en fait sur le bouton qui à l'origine est le testeur de profondeur de champ. Je mets le raccourci là du téléconvertisseur pour l'avoir vraiment à disposition. Et encore une fois, quand je le fais, je sais que derrière, j'aurai le fichier RAW sans le grossissement. Et donc, du coup, ça me laisse le choix d'utiliser une ou peut-être des fois même les deux photos, parce que du coup, ça change un peu l'angle de vue et ça donne un peu l'animal dans un autre, dans une vue un peu plus large et ça le contextualise. Donc, des fois, j'utilise les deux photos. Et c'est vrai que c'est un outil que je trouve vraiment très intéressant, en ayant toujours l'œil sur la valeur ISO qui, si elle est trop élevée, va dégrader l'image. Écoute, Eric, merci beaucoup pour tes images. Et bien sûr, ben, tu merci. Peux rester avec nous. Hein. Merci à vous, je reste. Je ne t'exclus pas maintenant. Alors, on va terminer cette présentation un peu plus rapidement, mais en prenant quand même le temps de vous montrer également les images de Léo Gayola, qui fait partie des autres ambassadeurs. Et ce que je trouve intéressant avec Eric, qui est présent, c'est de voir la différence de style avec la même optique. Donc, en fait, ce sont deux super photographes qui ont une approche différente dans leur cadrage et dans leur traitement, que moi, je trouve super intéressante de montrer. Donc là, les photos que Léo m'a envoyées sont pour la plupart faites également en focus stacking. Donc, ce que vous allez voir, hein, bien sûr, vous avez vu, c'est la profondeur de champ donc qui est entre la tête là, et l'arrière de la fleur. Normalement, en macrophotographie, vous n'auriez que la carapace qui serait nette ici, et vous n'auriez pas le reste. Donc ça, c'est grâce également au focus stacking. Alors après, très honnêtement, il ne m'a pas nommé les insectes. Donc si c'est tu une les cétoine. Connais, moi, c'est une cétoine. Tout à l'heure, il y en avait une en vert, là, qu'on voyait de profil, mais pour la petite histoire, ça, c'est... Alors, souvent, on appelait ça les scarabées. C'est, en fait, la cétoine, c'est ce que les Égyptiens utilisaient, vous savez, comme animal sur des peintures, etc. C'est exactement, on a par déformation, on parle de scarabée, mais en fait, c'est une cétoine. Voilà une autre image de Léo. Vous voyez qu'il, lui, joue beaucoup plus sur la profondeur de champ en ayant peut-être le moins possible et en intégrant beaucoup d'éléments. Donc voilà, Eric, un peu la même technique. Hein. C'est chacun a vraiment des techniques très très particulières. Chacun a une approche de la prise de vue des insectes qui lui est propre. Et c'est ça qui fait la richesse des photographes. Hein. C'est de pas essayer de faire un copier-coller de ce que fait l'autre, mais c'est éventuellement de s'inspirer, puis ensuite aller chercher son propre style. Et voilà, c'est là qu'on commence à avoir des images super intéressantes qui nous sont propres. La même chose, hein, encore une nouvelle image de Léo faite avec le 90 mm. Ouais, c'est une abeille sauvage. Hein. Tout à l'heure, on parlait des différentes abeilles. Celle-ci, ça en est une, c'est un eucerf, ce qui est caractéristique avec ses très longues antennes. Et c'est des abeilles qui se regroupent souvent la nuit et on les retrouve accolées les unes aux autres par groupe de 4, de 5, de 6. Elles sont collées les unes aux autres sous des fleurs, souvent sur des tiges, qu'elles saisissent avec leurs mandibules là que l'on devine hein, facilement et voilà ça fait partie des abeilles sauvages qui n'ont pas de ruche mais qui butinent aussi qui sont hyper importantes qu'on connaît peu il y en a tout un tas ça voilà c'est le cerf moi je trouve que c'est une superbe abeille qui est vachement jolie à photographier là, on l'a bien de face on voit bien plus jamais l'attitude un peu agressive qui pourrait nous faire peur mais en fait c'est pas du tout en lien avec son agressivité. Hein. En plus, il y a de la rosée, donc elle a été faite le matin, probablement que ça fait peu de temps qu'elle est active, ou alors il y a eu de la pluie. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie des abeilles sauvages qu'on a en France. Ça, ce sont les différents flashs donc, qu'on peut utiliser sur nos appareils. Donc le fameux STF-8 dont nous parlait tout à l'heure la participante. Donc effectivement, il y a une prise en main nécessaire, hein, mais une fois qu'on y a goûté, il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent ouais. À nous avec ce flash. Je renouvelle mon conseil, essayez de vous habituer à son utilisation, d'abord sur des sujets fixes, peut-être même chez vous, sur de l'objet. Prenez des pierres, par exemple, c'est toujours très joli, c'est avec des fières un petit peu turquoise, et voilà, vous pouvez jouer sur les différents éclairages, et on trouve des effets super sympas à faire.
Et pendant qu'on en est sur les accessoires, je ne pense pas que ce soit ton cas, Eric, mais on pourrait très bien le faire. Après, attention à la manipulation, puisque là, vous allez forcément travailler 100% manuel. Donc là, il faut vraiment prendre le temps. Moi, personnellement, j'ai un ancien 90 Tamron qui date des années 80, qui est excellent, qui ouais. m'arrive d'utiliser, puisque le 90 se transforme en 180. Hein. Et par contre, c'est vrai que là, il faut vraiment prendre son temps et être posé pour assurer la mise au point manuelle, puisque forcément, là, ce genre d'objectifs ne fonctionneront pas en autofocus. Donc, il faut avoir des repères. Travailler aussi avec le picking ou la loupe pour vous assurer que la mise au point fonctionne correctement si vous utilisez des objectifs manuellement venant d'une autre marque. Hein, ce sera plus simple. Là, j'ai une question pour toi, Eric. Comment identifies-tu ces petites bêtes? Est-ce qu'il existe des bêtes? Bon, écoute, comment je les identifie j'ai pas mal de documentation, je fais des recherches. Quelques connaissances avec des entomologistes. Donc, du coup, parfois, je demande un coup de main. Il m'arrive des fois de me tromper, de me faire corriger. Mais voilà. Et puis après, c'est à force de répéter. Tu sais, quand tu pars, tu t'identifies un insecte que tu connais pas. Enfin, tu shootes un insecte que tu connais pas. Tu vas le chercher. Tu prends le nom, tu le lis, et puis la fois d'après, tu le revois, tu te dis, mais ouais, comment il s'appelait, lui, je ne me rappelle plus. Alors, tu vas rechercher, et puis après, à force de le retrouver, de le voir, ben, de répéter, ça finit par rentrer. Voilà, hein, moi, je suis autodidacte hein, sur le truc, mais voilà, moi, je procède comme ça, j'aime beaucoup la lecture. Donc, du coup, j'ai pas mal de documentation afférente à... Aux insectes, aux arachnides, et je suis en permanence à faire de la recherche d'informations pour être plus précis, pour mieux connaître mes sujets, pour mieux les appréhender, pour mieux les photographier. Donc, c'est voilà. Après, il y a des forums, je sais qu'il y a des forums dédiés avec des entomologistes, des échanges entre macrophotographistes, etc. Donc, après, la photo, c'est quelque chose. Je disais tout à l'heure, je parlais de la macro qui était l'éloge de la lenteur et de la patience, mais la photo de manière plus générale, c'est pour moi, c'est l'échange et le partage. Et donc, c'est avec les échanges et le partage qu'on progresse à tous les niveaux dans sa pratique photographique et dans sa connaissance des sujets que l'on va travailler, quels qu'ils soient. Et forcément, les insectes et les arachnides. C'est moins fréquent que des gros animaux. Donc, du coup, on est un peu plus dans l'inconnu avec ça. Et voilà, du coup, on essaie de contribuer à les faire connaître, à répéter, à rabâcher. Alors, moi, j'utilise beaucoup les noms vernaculaires. J'ai vu trop les noms latins, mais même si ça m'intéresse. Hein. L'idée, c'est vraiment de vulgariser. Et puis après, on apprend à distinguer, par exemple, les demoiselles des libellules. Et puis après, dans les demoiselles, on va s'apercevoir qu'il y a la petite nymphe à corps de feu qui vous fait rêver, mais que vous voyez plus fréquemment des agrillons. Et donc, voilà, tout ça à force de fréquentation, on se familiarise avec ça. Merci, Michel. Donc là, voilà comment se positionne en fait ce fameux FTF8 en fonction des trois optiques macro que nous avons à notre disposition. En fait, quand vous achetez l'ensemble, vous avez des bonnettes ici devant ou des bagues qui vous permettent donc de l'adapter sur l'objectif que vous avez. Donc ça, ici, vous avez le 30 mm, le 60 macro et le 90 macro. Donc, quelle que soit l'optique macro que vous pourriez avoir envie d'utiliser avec le FTF8, il serait forcément compatible. Ensuite, vous avez le flash, moi, que j'aime beaucoup. Alors, je suis désolé, ce n'est pas une photo d'insecte. J'étais là avec Eric, d'ailleurs, ce jour-là. Donc là, c'était une photo qui a été prise à Carcès avec le flash déporté, où j'expliquais un peu l'intérêt d'avoir le contrôleur, puisque l'intérêt d'avoir le contrôleur permet de déclencher le flash à distance sans qu'il soit sur votre boîtier. Là, par exemple, on le voit, il y a un coup de flash qui, on voit bien en bas à gauche, qui va venir donc éclairer le coquelicot. Et l'avantage d'avoir un contrôleur, c'est que vous êtes sûr que le flash va partir. Alors que si vous utilisez le FL900 de chez nous, par exemple,
qui va déclencher par l'éclair, flash maître, flash esclave, en fait, l'éclair ne va pas être assez puissante pour contrer les rayons du soleil. Donc, le flash ne partira pas. Alors que si vous travaillez en radio, ce qui est le cas du FL700 avec le contrôleur, bah, vous êtes sûr que le flash partira et vous apportera cette lumière additionnelle. Et après, bah, vous avez les lumières continues, hein, dont parlait Eric tout à l'heure. Donc ça, c'est des petites LED, tout simplement, que vous pouvez utiliser. Moi, je ne vous cache pas que ça m'est même arrivé d'utiliser la LED de mon téléphone, que vous pouvez positionner autour de l'insecte pour pouvoir déboucher éventuellement un petit peu les ombres. Donc, c'est quelque chose qui peut aussi être utilisé. Au niveau des boîtiers, on en a beaucoup parlé déjà, donc je vais passer très vite sur le sujet. Donc, le micro 4 tiers, pour moi, ben voilà, c'est vraiment la solution idéale pour la macrophotographie liée à sa profondeur de champ. Il n'y a pas besoin, ou beaucoup moins besoin, de fermer le diaphragme pour réussir à avoir ce genre de photo. Après, on voit ici hein, le halo au niveau de l'œil. Ça correspond au diffuseur que Eric vous a montré tout à l'heure. Vous pouvez avoir ce genre de phénomène qui arrive d'un seul coup. Ben, ça, c'est le diffuseur qu'on voit sur la photo, tout simplement. Donc ça, quand on parle de profondeur de champ, c'est la zone de netteté, soit les courtes, soit les longues. Donc une grande profondeur de champ, c'est une netteté étendue, et une petite profondeur de champ, bah, c'est ce que certains recherchent pour faire ça. Donc là, non, il n'y a pas de crop, ce genre d'image. En fait, là, c'est sur des rapports. Là, cette photo, elle a été faite là où tu aurais aimé aller, Eric, le nom m'échappe, au Costa Rica. Costa Rica, ouais. Voilà. Donc le Costa Rica, c'est un photographe qui était au Costa Rica pour tester le 90 mm. Donc en termes de conditions de prise de vue, moi j'ai vu, c'est une grenouille, hein, donc elle était statique, donc il s'est vraiment approché très près, et d'ailleurs on le voit avec le halo de son flash au-dessus, donc là il était vraiment très près, donc il n'y a pas de crop sur cette image. Après je répondrai à votre question tout à l'heure, à la fin vous allez voir d'autres images qui peuvent vous donner des explications pourquoi est-ce qu'on a l'œil aussi gros et aussi proche, et surtout net sur une distance importante. La tropicalisation, j'en ai parlé tout à l'heure, d'ailleurs on le voit, hein, là c'est Chris qui est en train de faire les images, dont la grenouille qu'on vient de voir, dans des conditions extrêmes, hein. J'ai vu pas mal de making-of moi sur son travail, il a bien fait de partir à cette époque de l'année parce qu'il n'avait que de la flotte quasiment, donc toi Eric finalement tu as bien fait de rester à Kersès. Donc, oui, c'est ce que je me suis dit, ça m'aurait embêté de partir au Costa Rica et de prendre la pluie pendant 3 semaines, forcément. Ah ouais. Après, bien sûr, on a toujours la compacité, la légèreté de notre système, puisqu'on est quand même sur quelque chose où, par moment, on doit être hyper réactif. Donc, d'avoir cette mobilité pour pouvoir s'approcher en tournant son boîtier, peut-être même que d'une seule main, avec un équivalent, je me répète, d'un 180 mm. Je vous laisserai regarder un 180 mm à 3,5 d'ouverture chez mes confrères. Je ne pense pas que vous allez le tenir à bout de bras comme ça pendant très longtemps. Donc ça fait partie également des avantages de notre système. On a parlé tout à l'heure du focus stacking. Bien sûr, vous avez également le focus bracketing. Donc ça peut être comme ça que certaines images sont faites, Philippe. Lorsque vous voyez l'œil d'une mouche, par exemple, ou d'une grenouille, peu importe, avec un détail incroyable, vous pouvez aller voir, je vous marque un collègue qui s'appelle sur Flickr, c'est Didine21. Donc, qui fait beaucoup de bracketing, lui, et pas forcément beaucoup de stacking. Donc, pour avoir l'œil d'une mouche, par exemple, dont vous imaginez l'image, il peut y avoir jusqu'à 200 photos avec un décalage de mise au point qui sont ensuite, cette fois-ci, non pas assemblées par le boîtier, mais assemblées par des logiciels comme Helicon Focus, par exemple, qui permettent d'assembler les images. Donc, très rapidement, on peut se retrouver avec un nombre d'images très, très, très importante pour avoir cette qualité-là. La différence entre l'hyperfocus et le stacking, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. C'est juste un problème de traduction dans nos boîtiers Playmo. Et je m'en excuse, puisque ça fait plusieurs fois que je demande à ce que ce soit corrigé. Et en fait, qu'on appelle hyperfocus dans l'appareil, c'est la traduction littéraire que mes collègues ont trouvée pour appeler le focus stacking. Donc, je ne vous cache pas qu'à titre personnel, j'aurais préféré qu'on laisse le focus stacking dans le boîtier plutôt que de chercher à le traduire. Donc, c'est une traduction malheureuse, je dirais. Je vais continuer.
pour finir avec un exemple de stacking avec et sans. Alors, encore une fois, je suis désolé parce que j'ai pas eu le temps d'aller faire des images d'insectes avec et sans focus stacking. C'est des images que j'ai fait chez moi avec une montre goussée où vous voyez la première image qui n'a pas de focus stacking. Donc, on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. La zone de netteté, elle est hyper précise. Elle est à un endroit, point la ligne. Et là, j'ai activé le stacking sur 15 images avec un différentiel de 8. Donc, l'échelle des, qui permet donc de déterminer si c'est un décalage étroit ou moins ou étendu. Ben là, on peut récupérer du coup tous les engrenages qui se trouvent à l'arrière, qui n'étaient pas visibles sur la première photo. Et comme le disait Eric, hein, c'est une image brute qui sort de mon boîtier directement. Et je vais vous monter, pousser à l'extrême. Là, on est sur le stacking en super macro avec le 90 mm. Et on voit bien que ma mise au point n'a pas changé, mais que d'un seul coup, ma vis est en haut à gauche est devenue nette. C'est que l'appareil part avant ma zone de mise au point. Donc du coup, j'ai récupéré également de la netteté sur mon premier plan jusqu'à mon arrière-plan. Donc voilà comment marche et l'avantage qu'on peut avoir à utiliser le focus stacking et que le montage soit réalisé à partir du boîtier. En termes de composition et de cadrage, je me suis permis de remettre encore 2-3 images, donc une réalisée par Léo. Donc tout à l'heure, quelqu'un me posait la qualité sur le 60 macro. Oui, bien sûr, le 60 macro a une résolution incroyable, hein, Eric, hein, tu en as dû l'étudier assez longtemps. Maintenant, voilà, le 90, pour moi, il passe au-dessus. Mais ça ne veut pas dire que le 60, il perd en qualité. Non, le 60 reste une super optique qui a fait ses preuves depuis pas mal de temps. Hein. Ouais, mais c'est ça. Hein, le fait que le 90 soit au-dessus, ça n'enlève rien au 60 qui est juste excellent. Hein. Et vous voyez, là, on est sur deux autres formes de composition d'image. Et Eric le fait beaucoup. C'est que ne restez pas concentré que sur votre sujet. Oubliez pas que généralement, derrière votre sujet, vous avez des éléments. Donc, n'hésitez pas à vous déplacer et intégrer l'arrière-plan. Vous voyez, du coup, bah, ça apporte des couleurs. Ou alors, vous avez des cadrages beaucoup plus serrés. Et on voit que c'est le même photographe. Hein. Donc, il a deux techniques différentes. Et sur l'image de gauche, là, il a utilisé donc, le flash. Et on voit bien tous les petits impacts donc, qui a été utilisé pour faire cette image. Voilà, maintenant vous avez le choix, 30 macros, 60 macros, 90 macros. Donc là, j'espère qu'avec Eric, on a fait le tour. Ces trois optiques sont excellentes, chacune apporte des choses. Après, chacune permet également de se faire plaisir en fonction des moyens que l'on a, parce qu'effectivement, je suis conscient qu'un 90 mm a un coût, mais on peut aussi faire de la macro et se faire plaisir avec un 30 mm macro. Donc, n'imaginez pas que les belles photos ne sont que liées au prix de votre objectif. Et le photographe a également son rôle à jouer. Donc, n'hésitez pas à découvrir la macrophotographie à travers les insectes qui vous entourent. Et bon, on peut très bien commencer avec le 30. Et puis après, il y a les crescendo en fonction de sa passion et de ce qu'on a envie de développer sur le plan photographique. D'accord ? Donc, j'y terminerai avec Philippe qui avait une question concernant les deux fonctions. Oui, les deux fonctions existent, Philippe, dans le boîtier. Donc, soit vous activez l'hyperfocus stacking ou soit vous activez le focus bracketing qui, là, cette fois-ci, vous permet d'aller jusqu'à 999 images au moment de la prise de vue. Donc là, la mise au point va se décaler. Donc là, vous avez de quoi faire après pour les assembler, hein, bien sûr. Bah écoutez, comme d'habitude, on a encore dépassé d'une heure la présentation que j'avais prévue. Mais bon, entre passionnés, on ne compte pas, n'est-ce pas, Eric ? Oui, tout à fait. Je me suis retenu. Hein. merci beaucoup, en tout cas, de ta présence, Eric. Ça me fait super plaisir que tu sois là, tu le sais. Et je sais que je peux compter sur toi. Et bon, l'inverse est vrai aussi. Donc, n'hésite surtout pas et... En tout cas, je pense que tous les gens qui étaient là ce soir et qui sont restés nombreux, même après 2 heures, étaient contents de te voir également. Il me reste à vous saluer. Un grand merci à tous ceux qui sont restés pendant les 2 heures. Et on passe le bonjour, bien sûr, à ceux qui regarderont cet événement en replay. N'hésitez pas à le partager sur vos différents réseaux, hein, puisque bah, voilà, avoir des conférences en français, les gens apprécient. Donc, n'hésitez pas à dire que ça existe, qu'il n'y a pas que des conférences en anglais et qu'on va revenir vers vous prochainement. La prochaine sera sur la découverte d'un nouveau photographe
qui vous présentera son projet le 3 juillet. Donc, vous verrez un photographe qui part faire un projet en Colombie et il viendra donc en direct nous présenter son projet et vous présenter les images qu'il réalise déjà avec des matériels Olympus, hein, OM System. Et donc, du coup, bah, vous pourrez suivre son projet et son périple en Colombie. Donc, ce sera la prochaine thématique que je mettrai en place dès le 3 juillet. Et je fais autre chose, là, cette fois-ci, sur inscription, par session Zoom. Donc, vous pouvez retrouver sur le site OM System, dans les événements, il y a une session où je vous parlerai principalement de l'OM5, que je trouve que, voilà, je trouve que ce boîtier est parfait pour partir en vacances. Donc, j'avais envie de faire un focus sur l'OM5 juste avant de partir en vacances. Si vous ne savez pas avec quel boîtier partir, bah, l'OM5 est, à mon avis, la meilleure solution. Voilà, bah écoutez, moi, juste à vous dire au revoir. Eric, ciao, à très vite. Au revoir à tous, à Thierry, à bientôt. Merci tout le monde. Merci à tous. Au revoir, bonne soirée. Merci pour vos commentaires et vos encouragements. Et voilà, on est toujours là, bien présent. À très vite, ciao. Merci Eric. Au revoir.